Trois rags. J'ai trois rags. Il faut un couteau en pierre. J'ai un couteau en pierre. Il faut de la corde et ou improvised rope. C'est 30 ans? Ah, il faut des rags strip. C'est 30 ans qu'il faut? Quand c'est... Non, 40. Ah, ok. Il faut 5 rag strip. Musclé. Moi, j'ai juste fait un perso qui reflétait vraiment qui j'étais dans la vie, quoi. Donc hyper musclé avec un micro pénis. D'accord. Parfait. Fait combien de rag strip là? Wow, les J'en ai tatouages ils 1, sont 2, beaufs, putain, 3, je vais pas 4. les mettre, hein, j'avoue. Non, pas de tatouage. Ouais, moi aussi quand il y a les tatouages, j'étais en mode, hey, pourquoi pas? Je les ai vus, j'ai fait, ok, c'est bon, on n'est pas dans les favelas. Non, ça suffit en fait. Ouais, musclé, mais je vais pas avoir de dextérité là, donc ça m'ennuie un peu. Musclé mais avec un grand cœur. C'est comme ça que je le définis. Voilà. Alors. C'est bon, j'ai enfin fait un putain de sac à dos. Oh la vache. J'aurais pu être juste le fils Course. illégitime d'Einstein, je pense. Persévérance, c'est l'endurance en fait. Fusil. Plus long la création du sac à dos, s'il vous plaît. Fusil, c'est top. Arme de poing, c'est bien. Box. Ah ouais, mais c'est une vanne. Furtivité, furtivité c'est hyper utile du coup, hein. Bon? Bah pour les robots peut-être que ça t'aide quoi. Si ça dépend ce que ça sous-entend. Attends, t'es en combien? Moi je suis en C2, hein. T'es en combien toi? Attends, je suis pas encore là, je finis mes d'assigner mes Ah oui, c'est trucs. vrai. Mais j'arrive. Je me disais, il prend un peu de CSS. Attends, ah ouais, toi. Ah oui, t'as la boussole! Bah C'est vrai je que sais moi je pas l'ai si je mis veux du avoir la coup. boussole, parce que je Moi sais je pas l'ai dans la quoi boussole c'est. là. C'est dans quoi en fait? Putain, je sais pas. Je sais pas mais du coup avant je l'avais pas, maintenant je l'ai. Faut que j'aille au sud d'ailleurs. Bon bah j'espère que je l'aurai. Plutôt par là. J'y vais. On verra. Oh, y a un beau pont. Ouais non, c'est une belle zone à visiter ça. C'est juste que faut qu'on soit l'un à côté de l'autre quoi. Ah tiens, il y a un petit colis largué, j'ai l'impression, en C3. Il y a un logo de colis largué. Ça peut être bien. Ah ouais, ça peut être intéressant. Oh, j'espère vraiment atterrir au bon endroit. Par contre, Et pour ça, il faut que tu je sois, suis voilà. en A3. Eh bien écoute, remonte. Ça va, non? Remonte en C3 en direction du colis largué. En vrai, moi faut que je fasse le tour du lac et tout, je suis pas forcément bien non plus. J'ai une boussole, mais j'ai que le nord. C'est marrant, ça. Ça fait T'as que chier. le nord? J'ai que le nord, parce que j'ai pas dû mettre assez de points. Ça... Ben oui, mais au pire c'est pas grave, si t'as que le nord, tu sais où il reste? Ça va. Maintenant, en fait, parce qu'il n'y a pas les points, c'est un peu chiant, mais ça va. Je peux savoir plus ou moins. Ouais, c'est plus pratique si t'avais tout, mais Ouais, non, tu mais ça sais, va. moi quand j'étais seul dans la forêt, je posais une petite feuille avec une épingle sur de l'eau, Ouais. et je savais où était le nord. Et je savais pas où était le sud, l'est ou l'ouest, mais juste grâce à ça, je pouvais m'en sortir. Quand t'étais dans la forêt, c'est ça? Ouais, quand je survivais dans la forêt seul. Ouais. Toi, tu fais ça, ouais, souvent. Pas souvent, mais des fois, voilà, je pars une semaine ou deux dans la forêt, seul, reculé et. J'essaie de m'en sortir par moi-même. T'es un baroudeur, toi, non? Écoute, j'ai vu une émission où il faisait ça, ok? Il posait une petite épingle et il avait le nord. Ok? J'ai même vu un film où il le fait. Ouais. Non, mais je suis d'accord Donc je avec pense que toi. ça marche. Je suis d'accord avec toi. Je comprends pas. Attendez. Ça se présente pas comme la dernière fois. Petit couteau en pierre improvisée. Une Ça base. marche. C'est un.
C'est un joueur ça, c'est quoi? Non, c'est un zombie. T'avais magnétisé l'épingle ou pas? Non, non, il faut surtout pas qu'elle. Attends, c'est une question piège, attends 2 secondes. Il faut qu'elle soit démagnétisée ou pas? Non, il faut qu'elle soit démagnétisée, il faut surtout pas la mettre près d'un appareil métallique ou quoi que ce soit. Enfin non, oui, c'est ça. Pourquoi Link? Parce que justement, c'est grâce au pôle et à son magnétisme que tu vas avoir l'indication du nord. Si jamais par exemple tu mets ta boucle de ceinture pendant que tu fais la chose, attention, ça va perturber Là, l'information. je ne suis pas sûr là. Hein. Le chat n'est pas tout à fait de cet avis. Alors, je vous écoute, bande de petits génies. Ok. C'est Anthony Hopkins qui m'a appris à le faire. Ouais, dans le film À couteau tiré. Si tu veux de l'eau dans la nature, quelle est la première chose à faire, Damien? Tu pisses dans ta bouche. Alors, il y a différentes écoles. Alors. Bear Grylls le disait, mais j'ai jamais entendu personne le reconseiller depuis. lui, ça se voit, il est un peu taré, Je hein. regardais une vidéo de Mike Horn où il disait ça. Du coup, lui, sa technique, c'était d'essorer de la mousse, en gros. Et le truc, c'est que, tu sais, j'étais content, je me suis dit, ouais, c'est sympa et tout. Et il commence à essorer de la mousse. Et après, je lui dis, elle est dégueulasse, elle est pleine de terre. Du coup, il la filtre dans une bouteille et tout, et je dis, ah, ça va être mieux. Et ouais, il avait l'air de boire du caca. Genre, l'eau était toute marron et tout. Je me suis dit, ouais, mais ça va toujours pas en fait. Il boit du caca. Non, mais ça n'allait pas du tout. Ah, bah, je pense que si t'es sur le point de caner, tu t'en fous que ton eau ressemble à du Ouais, caca. je pense que c'est bon, mais bon. Dans le doute, ouais, moi je le ferai pas. Enfin, je pense, j'attends quand même quelques jours, tu vois, avant de me dire bon, allez, Bon, allez, bois. aujourd'hui c'est caca. Tu la bois ta merde. Ouais, bon, flemme, mais allez, go sac à dos là. Comment on fait ça? Ah, là c'est une. Oh, bah, ce sera pour toi ça. Je t'ai trouvé une pomme. Non, mais attendez, je crois que c'est un truc de fou. J'ai pas dû mettre les points où il faut. Ah, si, ça va. Sac à dos improvisé. Wow! Je suis en loading. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bien Toi ça. aussi? Attends, non, je Mais. suis pas en loading. C'est bien Il y a un mec ça? qui m'a TP dans son. Attends, un mec m'a TP dans son. Dans sa base. C'est quoi ce bordel? C'est plus Hello? haut. Vas-y, hein. C'est plus haut. Ah oui, pardon, c'est là, merci. Tant pis, vous avez des cordes. Why I'm here with you? Cordes et chiffons. Ah ça. Cordes. Attends. Cordes, il faut masse I'm de with chiffons. French friends, and we just want to play one time on the server, please. Don't kick us. Why are you doing this? Why? Ok, I du coup. know. Guten Tag. Was ist das? Listen. Eins, zwei, drei, Hartung, dis-lui Hartung. hier. Achtung! Il m'a kické, ce fils de pute! Oh non, putain, mais vas-y, c'est des racistes là. Fils de pute, raciste de merde! C'est des gros racistes là, genre parce qu'on sait pas parler allemand, ils vont nous dégager, c'est ça? Nique ta mère, oui, c'est ça! Oui, par contre, bah c'est le problème en fait, vous êtes sur un serveur allemand. Genre, mais nique ta mère! Ah, dommage que t'avais pas une petite insulte en allemand là à lui dire. J'aurais dû dire. Bah non, j'aurais dit Scheiße, c'est pas une insulte, Hey, c'est juste. Scheiße! Oh le chien, putain. En plus, j'étais en train. Vraiment, il aurait dû se dire: Waouh! Un Français qui connaît quelques mots de ma langue, il devrait être Mais tu sais, il fier! fait des efforts, t'as fait des efforts et tout. Tout le monde n'aurait pas fait ça. Putain. C'est dégueulasse, hein, je. Vraiment! Sale porc! Bon bah, go retrouver un serveur, hein. Non, mais vas-y, depuis tout à l'heure, je suis en mode. Hey! Oh, il me saoule, hein! C'est bon! Comme dirait Siphano, après ce qu'ils ont fait, je sais plus quoi. Quelle honte, putain! Je vais rechercher un autre serveur. Vas-y, putain, j'étais en train de me faire des outils et tout, trop dommage. Mais ouais, mais mec, j'étais trop bien, moi. J'avais mon petit sac à dos, j'étais trop fier de moi, voilà. Du Voilà, bist ein großes Schlamp. Bon.
On saura. Ça veut dire. T'es une grosse lampe. Tiens, espèce de grosse lampe va. Oh, je vais faire... Faut que je refasse tout mon perso là, merde. Oh, attends, à moi. Allô. C'est quoi la touche pour parler, dis-moi? C'est une touche que j'ai configurée sur ma souris. Allô. Allô. Du bist hässlich. Attends. Ah, il m'a kické. Ça veut dire que ça marche. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi ce que j'ai dit? Allô. Ah non, je sais pas ce que je lui ai dit. Du bist hässlich. Allô. Dites-moi ce que ça voulait dire. Vous savez même pas ce que vous me dites de dire, putain. Vous êtes des cons. Ça veut dire t'es moche, putain. Oh le mec. Mec, t'as que son serveur. Hello, t'es moche. Allo, t'es moche. Voilà, sans prétention quoi, t'es moche, c'est tout hein. Ah, mais il s'excuse. Bon, hey, vont se faire foutre là. Mec, c'est bon, n'aie pas honte de qui tu es. Non, voilà, on est français, on l'assume. Bah ouais, je suis français, mec. T'as problème. Retrouvé un serveur ou pas? Ouais, je te l'ai envoyé. C'est non, pas ma mère que j'ai envoyé c'est le pas, SMS. C'est pas le bon que t'as envoyé. Bah si, si, ça. C'est pas la bonne image. Parce qu'en fait, c'est le même serveur. Ouais, attends. Effectivement, c'est pas le bon. C'est celui-là. Vous voyez, on oublie de prendre des serveurs. Qui s'éloigne de notre langue pour éviter de tomber sur des gens qui peuvent nous trévac du coup, bah oui, bah on tombe sur des Allemands, bah voilà. Ah là là là. C'est quoi ton anglais? Chivalry. Chivalry? Chivalry. C'est pas. Un truc lié à l'archerie? Bah. Du coup, il y a directement l'option archery. Ah, c'est voleur. Ok. Merci. Ah oui, Thief. Thief. Merci. Bah, je vous dis merci. En vrai, je le savais. Hein. C'est juste pour voir si vous étiez au même niveau que moi. Hop. Par contre, Stealth. Ouais, Stealth. C'est le plus important, non? Furtivité, ouais, je pense que... Ouais, je mets à fond en Stealth. Survie, perception. Ok, je lance. Perception, je sais pas ce que c'est. Cette fois-ci, on va se faire virer par quoi? Des Suédois? Le chat sera là pour nous aider. Cette fois-ci, ils me diront pas de dire t'es moche, putain. Scandaleux ça! Marche pas mon jeu là. J'entends la nature mais je vois pas le jeu. Ok c'est bon, je vois le jeu. Ouah, c'est vraiment le labyrinthe ça. Alors je suis en... Bah déjà je suis où? Quoi? Faut que je... Comment on meurt? Je suis en Détroit. Je pense pas que tu vas pouvoir Détroit. Me rejoindre. Ouais. Attends, je vais te dire maintenant, hein. On sait jamais. Du coup, merci Xartaroto pour les 5 subwoofers, j'allais le dire, mais, ouais, mais j'ai eu une discussion avec des Allemands. T'es un chic type. Chic typos. Je suis en... Je suis dans la neige déjà. Je suis en... D1. D1, et moi je suis en... Bah D3, finalement on n'est pas loin l'un de l'autre. On se ouais, retrouve en va. D2. Ouais. Faisons Par ça. Par contre, j'aimerais savoir si dans le jeu c'est possible de masquer le chat, parce que je m'en fous quand ils vont parler entre eux. Sympa pour les autres. Je les kiffe. J'essaye juste de Écoutez savoir gars, si c'est possible de désactiver le chat, juste ça. Est-ce que c'est possible dans le jeu? Continued mode, je sais pas ce que ça veut dire. Kill notification. Off. Announcement message. Off.
Ah, tu vois ça où? Bah dans game, dans les options. Apply. Je sais pas si c'est ça, mais dans le doute, j'ai enlevé le message de kill et de l'adoucement de message. Ok. Ah, je vois toujours le Alors. chat. Ouais, effectivement. Bah je sais pas si c'est. Si tu trouves le moyen de le retirer, si quelqu'un te le dit. Ouais, je vais voir, C'est je juste vais voir. chiant des fois, genre t'as juste peut-être pas envie de, bah, de voir l'avis Non, des autres j'ai pas quoi. envie de parler. Non. M'intéressez pas les mecs, hein. No offense. Vraiment no offense, mais ouais, bof. Alors ici, oh, ça va être pas mal ça. La grosse dinde! La grosse dinde! Oh putain, oh le morceau! Oh la baleine! Oh le morsif. Oh putain! Oh la barbaque qu'il y a sur elle! Elle va me tuer! Elle va me tuer la dindasse! Allez, gauche-droite! Comme on a pris! Oh! Oh! Mec! Il y a des enchaînements des fois de coups de poing! Ouais, comme dans la rue. Bah on dirait bien! Oh putain le jambon! Eh mais elle est costaud hein! Oh j'ai un morceau Qui se là! bat avec une vache? C'est une vache? C'est quoi? C'est non, c'est une femme! Mais elle est Ah, gigantesque, pardon. putain! Elle est J'ai cru, gigantesque ouais. hein! Oh, je voulais pas voir ça. Oh, c'est un couteau ça. Mec trouve des Attends. couteaux comme ça? Bah sur elle. Je sais pas, une ancienne militaire peut-être. Alors, Ah ouais. go se faire un sac à dos. Pour se faire un sac à dos, vous avez besoin de cordes. Bon, on va faire ça comme ça. Ouais, ça Genre, va être long, faut que je refasse le sac, tout ça parce que l'autre raciste là m'a dégagé. Hey, le Putain raciste de. là! Oh les racistos comme ça, je les déteste. Je les déteste. Non, c'est vrai que c'est énervant quand même. Hein. C'est pas sympa, juste. Non? Pourquoi on peut pas stack les petits rags? C'est chiant ça aussi. Marre! Pas mon pantalon, touche pas mon pantalon. C'est un hashtag ça. Dis à Théro de pas enlever le cancel de mode, ça lui évitera un ban Twitch, à montrer des sgegs. Ok, quand c'est de mode. Ok. Bah quand c'est de mode on, du coup. ouais. Oui, bah, c'était déjà on. Pas de soucis. J'ai pas envie de voir des gags. Hein. J'aime pas ça, hein. Non mais j'ai non non j'avais pas fait exprès hein. Ah, oh, Berk, ça me dégoûte, hein! Et une corde. Et. Un stone knife. 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 Et ça, comment je. Je vais te couper. Je vais te couper, toi. On peut couper des gros arbres ou non? C'est vraiment. Faut les petits fins là. Je crois que quand tu coupes des gros arbres, ça donne vraiment rien. Ouais, mais tu peux pas couper des gros morceaux en petits morceaux? Ça te donne des bûches et je crois que tu peux rien faire avec. Oh, C'est une vraie vraiment des galère, bûches. mec. Une vraie galère. Laisse-moi regarder. Non, ça me donne des. Il y a de tout, je Oh peux les bon. couper en autres morceaux. Oh bah, j'apprends un truc. Bon. Je me défroque. Je suis tellement musclé, regardez mon dos quoi. C'est pas vous qui avez des dos comme ça dans le chat, hein. Ah non, les geekos Non, là. on n'a pas un dos comme ça quand on reste sur le PC, hein. Ouais. Pourquoi? Une, deux, trois. Pourquoi l'inventaire il est à gauche maintenant et avant il était à. Problème? Oui, problème, parce que je comprends pas trop. Non, je comprends pas. Alors, direction l'ouest, j'ai un sac à dos et une petite pierre, ça me va. On y va. Ah, je saigne? Ok. Je me patche.
Ah oui, effectivement, je suis à 49% de ma vie parce que la dindasse, elle m'a complètement défoncé. Je suis mid-life. Oh non. Je sais plus comment on récupère sa vie. Ça c'est dur hein, par contre. Ah, je vais J'espère peut-être que pas je aller vais la voir récupérer tout d'un la coup. dindasse que je vois devant moi alors. Esquive-la, hein. Si c'est un gros morceau, mec, c'est quasiment foutu pour toi. Mais par contre, tu te mets en FPS, tu donnes des patates, tu vises la tête. Je te jure qu'il enchaîne. Il fait tac tac tac. Ouais, je vais pas le tenter. J'ai pas beaucoup de courage en général. T'as vu des gens donner une astuce pour plus voir le chat ou pas? Non. Mais les gens n'aident pas beaucoup, hein, en Oui, j'ai général. remarqué ça, hein. Il y a du monde pour rire, par contre, pour aider les autres, Pour il y a plus dire personne. comme, c'est drôle, hein, mais Oui, voilà. pour les vraies techniques de survie et autres astuces. Bon, on compte que pour soi-même, c'est tout. Alors attends. Là, je suis tout au nord. Si je veux aller en D2, je dois donc aller vers l'est. Donc. J'espère. Oh, tu te diriges aussi vers D2? Eh bien, on Je suis en se D2 donne. T'es déjà en D2? sur la grosse route jaune qui va de qui traverse la case. Ah, t'es chaud, toi. Ah, je trace. Bah alors, dans ce cas-là, on se rejoint. T plus mute pour let chat. Mais c'est à quoi plus mute? Attendez, Parce comment on que. faisait pour... T plus mute, pour moi, ça veut rien dire parce que le mute, c'est quelle touche, mute? C'est quoi la roue des émotes là? Ah, bordel. La touche mute en bas. Ah! Merci. D'accord, c'était pas deux touches après ça en même temps. Vas-y, Link, tu peux. Tu appuies sur T et tu fais mute. Nice, ok. Merci le chat. Merci à Vous vous. êtes bien bon. Ah, le chat, je suis sûr que vous avez le... C'est le truc pour s'allonger par terre, là. Il y a une touche pour voir la... La roue des... Putain, je me fais agresser par un SDF, mais j'en ai marre! Ça doit être... Je suis sûr que vous savez, vous nous l'avez donné l'autre fois. PVC. Merde. Tab. Ah, tab appuyé, bien joué. C'est ça. Ça fait quoi de t'avais appuyé? C'est pour s'allonger sur le dos. Ah! Vous savez, le chat, il y a quelques jours, je parlais de modération avec des gens qui gèrent des chats à tout un peu. Et ils me demandaient. Leur avis était qu'aujourd'hui c'était devenu super dur de modérer les chats Twitch. Et que c'était au-delà de 10 000 viewers et tout, et que c'était un peu la merde. Et vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, faites votre boulot, bande de merde. Je leur ai dit qu'on avait pas de problème avec vous. C'est fou, non? Je vous suce un peu, mais. On a pas tant de problèmes avec vous en vrai. Non, on a Petit un chat sub only de gentil. temps en temps. Oui, de temps en Normal, temps, quand normal on quoi. se trouve énervé, tu vois, Normal il en faut les fait. calmer, mais sinon. Mais sinon. Nous, ils sont plutôt Je chillax. trouve que ça va en fait. Vous êtes mignon. Je suis contre un dindon là. Putain, il me défonce, hein. Merde. Ok, c'est bon. Ah, putain, j'ai pas compris tout de suite. Pour moi, c'est je suis contraint. Espace. C'est un Je don. suis contraint d'un don! Aidez-moi! Je me suis dit, mais c'est quel genre de don qui peut le contraindre à quoi que ce soit? Bon, je vais pas te foutre le seum. Ok? Je suis pas là pour ça. Mais. Ah Bah. J'ai un fusil, quoi. oh putain, sérieux déjà? Il était dans une cabane de chasseurs. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le paysage est magnifique là où je suis. Mais ouais, j'ai un fusil, quoi. Merluc qui en profite pour me dire évidemment que c'est parce que ce sont les meilleurs modos. Oui, évidemment. Évidemment aussi, hein. Bien sûr. Bon, enfin.
qu'il soit là ou pas, le chat est très bien aussi. Hein? Hein, le chat? Hein, si vous êtes mono depuis aussi longtemps, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de travail à faire, hein? Voilà, ça c'est caché. Vous êtes resté là, c'est une bonne planque, hein, c'est ça? Je pense qu'on va se rejoindre. Dis-moi, j'ai hâte. Sais pas comment t'expliquer l'endroit. Tu vois, on va dire qu'il y a une ville. Il y a une ville concentrée. Ok? Tu la vois, en D2. Ouais. Vraiment, à fond pâté. Mais je te Ouais. parle pas de celle-là. Je te parle de celle qui est à gauche, en haut. Au croisement là. Ça fait un T à l'envers. Non. C'est pas tellement une ville, c'est un bout de ville sur un chemin, on dirait. Quelqu'un a compris? Attends. Parce que je montre pas l'endroit non plus pour pas que les gens. Oh là, oh là, oh là, attends, je me fais poursuivre. Mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre de ce pays de merde. Mais j'en ai où? On est où là? J'en ai marre. Vas-y. Ta mère, la En pute. gros, au-dessus de moi, il y a une ville. Elle est Attends, je peux grosse. pas contre un pêcheur. C'est bon. Ah non, il y a encore du Ah, vent. Putain! c'est une ville sur une route, mais une petite. Oui, Au-dessus de la voilà. route jaune, juste au-dessus de la route jaune. Voilà. Je sais pas si c'est au-dessus, mais oui, c'est. Attends, putain. Je saigne pas. Non, c'est bon. Réponds-moi tout de Je suis à suite. 30%. Je suis à 30% de vie! Réponds-moi tout de suite. Au-dessus de la. C'est bien au-dessus quand même, hein. Je sais pas ce que t'entends par au-dessus ou t'es un peu en train de minimiser le truc, mais. Ah ouais, non, mais alors du coup, c'est pas ça. C'est en haut à gauche de la case, en gros. Attends, je me soigne 2 secondes, parce que sinon je crève. Ouais, vas-y. J'en ai marre de me faire agresser vraiment par la moitié des habitants. Voilà, alors. C. Redis où tu penses que c'est? C'est pas compliqué. En haut à gauche Ouais. de la case des deux, il y a un Ouais. genre de T. Un T qui est en mode il tremble. Ouais. Bon, bah on va au croisement de ce T, puisque tu regardes, il y a une petite ville sur le bord de la route. Un Nickel. peu à gauche. Nickel, je pense que j'ai compris. En tout cas, on le saura Ok, bientôt. chouette. Chouette, chouette. Rien compris. Là là, mais je suis un clochard. Je fouille une zone avant parce que il pourrait y avoir des trucs là-dedans. Ah, mais comment on regagne de la vie, mec? Juste. Parce que tout à l'heure, sur le serveur des. Des boches, hein, je vais les appeler comme ça parce qu'ils méritent pas autrement. J'avais une citrouille, je pouvais m'en sortir. Là, j'ai rien. D'accord. Je pense que je vais l'éviter comme ça, tout doucement. Oui, mais en fait, j'ai 30% de vie, j'aimerais bien la regagner. Ah, 31. Le chat va te Mêlée? répondre, c'est sûr. Oh, un lecteur CD? Super, t'as qu'à le prendre. Je pense qu'on va en faire, mais t'inquiète. Ah non, je le prends, je le prends. Un fromage, c'est la meilleure maison. Incroyable. Plaquette de vitamines. Trouve-moi de la bouffe, très mignon. J'ai très faim. Je sais pas si hein, il en restera quand je vais arriver. À voir. Hungry. Ouais, je sais, je sais, je sais. C'est bon le jeu. Je suis où là? Oh, je suis pas très loin. Oh, il y a un âne. Hey, je pourrais le tuer, hein, j'ai un fusil. Mais ça servira à rien. Parce que je vais pas te. Quoique, j'ai un couteau. Je peux. T'es un Non. ouf, l'âne il t'a rien fait, il t'a vraiment rien fait en fait, vraiment. Non, mais c'est. Regarde, on bute l'âne, je prends sa viande, je la mets de côté. On apprend à faire un feu de camp assez rapidement. Et on bouffe de la viande. Non? Écoute, tu connais mon avis là-dessus. Je vraiment voilà, Ouais. mais je veux dire qu'il y a des gens ici qui bon parfois ils. En fait, tout le monde t'a vu buter les animaux, quoi. Il n'y a pas de. C'est pour ça que je te dis ça, moi je vraiment aucun problème, tu peux. Non, mais c'est juste que je sais pas si j'ai assez de place dans mon truc improvisé.
Putain. Pourquoi je galère autant avec l'inventaire? Bah, parfait, j'ai encore plus de balles que prévu. Là, Eh ouais! bah ouais, j'en voulais pas autant, mec, c'est juste ça, quoi. Putain, mais j'ai trop de trucs. Non, essaye pas de faire genre comme moi que t'as le cul bordé de nouilles. Franchement, j'ai trop de trucs. Je peux manger des girolles? J'y connais rien en champignons, hein. J'ai sorti ça. Franchement, girolle, c'est free. C'est bon. Je bouffe des champignons blancs. Une boîte Non, d'épingles à bah non. nourrice. Ça se mange pas. Du ruban Ouais, je sais pas. adhésif. Peut être Je sais pas s'il pratique. fallait, mais j'ai bouffé un champignon. Je sais pas si c'était une bonne chose. Ouais, ça dépend des fois quand même, hein. Normalement, quand on cueille des champignons, faut aller à la pharmacie. C'est eux qui nous disent lesquels à garder et lesquels sont achetés. Mais là, j'ai pas pu. Flemme en vrai, non? Bah, dans le doute, si t'as pas envie de faire dans tes urgences, tu le fais quand même un peu. Ouais. Non, et tu le fais, mec. Déjà, en Putain! vrai, de base, je suis pas tellement chaud de cueillir des champignons pour les Noël bouffer, hein. dernier, j'ai bouffé des champignons, mais c'était pas mes parents qui les ont préparés, c'était des gens de ma famille. Et on a tous été malades, genre les 30 Ouais, personnes qui étaient là ont été malades. Ça se trouve, tu ils sont m'avais pas dit, allés à la ouais. pharmacie. C'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit. Quand tu me l'avais dit, que je pense qu'ils ont pas été à la pharmacie pour voir s'ils étaient comestibles. Non mais s'ils connaissent un champignon. En tout cas, ils connaissaient ces champignons-là, je veux dire, et... Ouais. Attends, y'a un zombie qui va me Ou alors tuer je me et suis ta fait mère la pute, le empoisonner. zombie. Ta mère la pute. Mais là, j'ai Putain, rameuté tout le quartier, c'est mais... tout ce que j'ai fait. Je vais me faire défoncer là. Ouais, je vais le défoncer. Putain, mais c'est pas possible! Mec, mais je vais me faire défoncer! J'ai 20% de vie! Je me fais poursuivre par tout le monde! Je vais Mets-toi dans crever! un bâtiment. Dans un bâtiment en pleine forêt? Ouais. Oh, ils sont pleins! Ils sont pleins! Allez, allez, je crève! Allez, je crève! Oh Allez! non, non, Allez, c'est le non. pire jeu du monde! C'est le pire jeu du monde! C'est le pire jeu du monde! Je peux rien faire! Oh Je suis mort. non. Fils de pute! Mais fils de Non. On était proches. Je suis abattu. Je suis en C3 à la cour de Mara. Je suis en C3, voilà, je suis en C3. Ça va, non. Ça pourrait être pire, mais ça me saoule juste. Là, je recommence tout. C'est bon, je recommence tout. Comme si c'était déjà amusant. Je te prends un savon. Qu'est-ce que je vais en foutre? Tu vas m'essuyer tout ce seum. Marre, putain. Du vinaigre. J'avais Mais un pourquoi pas? fusil, putain. Parti pour faire tout ça là, cette arme de merde. Câble de charge de batterie. Putain, je peux dire que j'ai trouvé des trucs pour des voitures, mais beaucoup, hein. Après mec, vraiment, hein, on n'a jamais entendu ou vu un véhicule. Ah ouais, mais là, je peux te dire que... Oh là là. Il y en a des choses, hein. Oh, qui... Car Repair Kit. Là, il Ouais. force. Là, vraiment, Ouais. ça commence à On faire voyait beaucoup, plus là. de véhicules sur Daisy, hein. Ça commence à faire vraiment beaucoup, là. Je suis dans le paradis de la voiture, hein. Le paradis de l'auto. Avantage non négligeable, je sais crafter un sac à dos très rapidement maintenant. C'est vrai qu'on a pris de l'expérience là-dessus, hein. Oh non. Qu'est-ce que t'as? Tu te fais attaquer par un zombie? Va Ouais, mourir. je me bats aussi. Oh là là, il fait super Bah mal. moi je me suis fait enchaîner en vrai, esquive-les et sois discret. Je peux plus courir! Ah, j'ai pris extrêmement cher. J'ai pris extrêmement cher.
J'ai 17%. Pourquoi je sens que je vais te rejoindre au paradis là? C'est pas un paradis au fur. Moi, ils étaient 5 contre moi. En vrai, si t'en as qu'un, ça va. Ouais. On avait qu'un, mais. Putain, ils se battaient bien. Oh l'enfoiré. J'avais dit ça du mec qui s'était battu contre moi au collège, mais en fait c'était pas vrai. Il se battait pas si bien que ça, c'est juste moi qui étais Il se nul. battait super bien, hein. Putain. Il se battait bien le mec, hein. Il était vraiment très chaud. Ou alors un mec qui fait du MMA ou quoi, parce que là. Je pense qu'il va faire un sport de combat le mec, hein. Oh là là, Vraiment hardcore franchement. quoi. Attends, là j'ai fait 90 degrés là? Ah, on dirait pas. Ok. On joue au nord-est. Ok. Bah je fouille toute une zone qui est gigantesque, mais il y a vraiment c'est aucun stuff militaire, hein. Putain. Bah, c'est normal. Là. Ouais, mais c'est une grande scierie quoi, c'est cool. Mais t'as pas de sac à dos par contre? T'as toujours ton petit truc Oui, par contre, ouais, improvisé? voilà, tu vois, j'ai fouillé toute une scierie, par contre, en sac à dos, ça a l'air compliqué. Ouais, faut aller chez l'habitant. Ouais. Mange. Oh là. Oh là non. Oh là, tu vas directement mieux me parler. Je mange. Mais je suis pas sûr que ça heal beaucoup, on va voir. Est-ce que c'est un pipeline? Il recommence à faire chaud là, putain. Oh, ça va là, quand même. Je sais pas, faut que j'ouvre la fenêtre là. Ouais, bah j'ai. Non, mais regardez le chat, ça n'a rien changé, c'est un truc de fou quand même. Je peux bouffer des vitamines si ça vous. Ça t'a pas nourri. Non, mais ouais, c'est buggé en fait. Il y a un temps de digestion, ouais. Bah oui, c'est comme dans la vraie vie. Ah, quoique non. Attends, non. Moi, une fois que j'ai Bah. mangé un bon repas, je suis repu, j'ai plus Ça faim. calme ta faim. Après, t'es pas directement nourri. Non, bah, mais non, mais enfin bon, n'exagérons rien. Mais quand même, t'as plus besoin de manger. T'as plus besoin de manger, ça devrait te dire. Dans tout cas, l'estomac est rempli. Par contre, le heal, bah, il se fait, mais avec le temps, quoi, apparemment. Hein. Ah bah là, je starving, visiblement, alors que je Le viens de heal se redémarrer. fait, mais tout doucement. C'est. Attends. C'était dans ce jeu-là de merde là que quand tu mangeais genre une cerise, ça faisait rien. Bon attends, je vais me rebattre. Vas-y, viens là toi. Moi je peux plus me battre, putain, c'est chiant. Voilà, si je me bats le chat, je pense que je suis foutu. Hein. J'ai promis à ma femme d'arrêter de me battre, je peux plus. Je peux plus me battre. Putain, mais ouais, mais je peux plus me battre, mais. Je dois ruser quoi. Oh. Bon, il est fort lui, hein, c'est bon. T'es mort? C'est incroyable. Genre j'avais 10% de vie. Je me réfugie dans une maison. Je sors par l'arrière. Elle s'est TP à l'arrière de la maison, bien sûr. Je re-rentre dans la maison. Je me soigne dans la maison. Elle est dans la maison, elle me défonce. Ok, rien compris. Rien compris. Eh, c'est plus complexe que la dernière fois là où je rêve. Bah, c'est-à-dire que les zombies, c'est. Je suis en B3. Les zombies, ça commence à faire très très mal, non? Je sais pas. C'était pas comme ça avant. Puis surtout, quand t'essayes de te battre avec eux, bah, c'est quand même sacrément dur. J'ai envie de les niquer là. T'es en B3? Bah ça va en vrai, on s'est rapproché. Ouais, on s'est rapproché. Enfin, faut qu'on arrête hein, au bout d'un moment de crever, mais Ouais, on est bien rapproché, maintenant va falloir se rejoindre quoi. Ouais, genre on se dit qu'on arrête. Ouais, là on fonce, on se rejoint, c'est bon. On a testé nos trucs. Voilà, ça suffit. Moi, c'est juste que là, les zombies, quand ça me pétait les couilles, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que. Merde. J'ai pas pris mon. C'est une blague! Y'a un ours maintenant! Y'a un ours! J'ai pas pris Qui me poursuit? mon couteau, quel con! Je vais crever, y'a un ours qui me course, y'a un ours!
J'en ai marre, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, c'est une boîte à énervement. Petit fils de pute, tu vas me lâcher? Je vais, quand je vais être en radant. Il m'a mis une torgnole. Je suis. Mais je l'ai encore pas récupéré, je suis en fils de pute. Ok, je me suis relevé. Mais c'est un zombie maintenant! J'en peux plus! J'en peux plus! J'en peux plus! L'ours m'a mis une torgnole, je suis tombé, je me relève, il y a un zombie qui me court dessus. Ce qui me fait peur, c'est que quand il dit ça, je sais qu'il y a vraiment 80% de chances qu'il meure en fait. C'est pas juste pour se plaindre, c'est qu'il va crever en fait. Bah là, si ça continue comme ça, je vais... oui, je vais crever. Mais mec, attends, je me fais charger par un ours. L'ours m'assomme, je me relève, je me dis ouf, il est parti. Et un gros tas qui me court dessus. Putain. Comment ça va être chiant. À un moment donné, le jeu veut pas de moi, hein. C'est ton cul bien squatté qui les attire. Ça doit être ça, ouais. C'est vrai qu'il est bien galbé, mais ah, quand même. Il est bien, quoi. Je suis de jambe, là. J'ai 60% de vie, ça va, ça pourrait être pire. Je saigne ou pas? Non. C'est-à-dire, l'ours, c'est juste un gros con méchant. Il a juste pensé pour me mettre une tarte. Je suis sûr que l'ours est allemand. Ouais, j'ai des sacrés lags, hein. Enfin, c'est même pas des lags, c'est des frises, quoi. Ok, je suis sur la route de C3 qui descend vers B3. Ok, je finis mon sac à dos et je vais monter alors. Ok mec. Ok man, ça marche. On se bah, dit ça. Ça m'intéresse en... ce que tu me dis là. On se dit quoi? On se dit quoi? Vous dites ça vous? Ouais. On se dit quoi là? Personne dit ça. Bah attends, tu vas voir. Je suis désolé hein, mais tu vas voir. Attends, mais je peux chier! Oh là non, oh la grosse dinde qui vient de faire. Bien sûr chier. Que je dis oh ça. Mec, il y a une proportion de gens qui disent je te dis quoi. Effrayant. Il y a une meuf qui me court dessus au ralenti là. Alors la moche. Je vais te mettre des patates là. Trop ça loin. Vient du nord. Ouais, j'avais cru comprendre. M'étonne pas. Sans vouloir être. Hyper méprisant. J'en ai rien à foutre moi. Je vais te montrer ce que c'est que la parité. Du coup là je vais au nord-est. Non bah du moins tu remontes. En fait je vais J'ai vu l'ours. J'ai vu l'ours, cette voiture l'ours. Il prend la route. Il prend la route l'ours. C'est une voiture. Je suis à côté d'une zone qu'on pourra looter après là, elle est magnifique. Ouais, ouais j'ai vu, il y a un gros village par où tu dois passer. Il y a beaucoup de machines, mais comme bah alors, fais gaffe si tu prends la route. Roule à droite parce qu'il y a un ours qui fonce. Hein. D'accord, je vais rouler doucement. Attends, mais je bois de l'eau, mais ça remonte pas mon niveau de flotte là. Ouais, mais ah, comme si, dans la vraie vie, Damien, quand ah tu ouais, bois, débile, vraiment, t'as pas directement les bienfaits de l'eau. Il m'a fait non, mais on devrait me dire que mon estomac est rempli, c'est bon. Je meurs de faim. Pourquoi je dors? C'est bon. Ah! Et ben voilà. Non. Non, je suis pas mort. Oh putain. Pas de frayeur. Tu flippes? Ouais, de ouf. Vraiment. Non, j'ai juste trouvé un... Une voiture? Un sac à dos assez stylé. Quand tu dis une route qui va en B3, tu veux dire celle qui est vraiment qui descend, pas bien, celle sur les bien côtés verticale, qui la jaune aussi, au milieu. Mais assez verticale, oui. Ah ouais, non, mais c'est une grosse route, c'est une grosse. Il y a des ours là-dessus, hein, ça roule. Oui. Surtout en week-end. Bah vu l'heure, oui.
Oh! Oh, je vais être effrayant avec ça. On avait dit on se rejoignait, on lootait pas et tout, mais bon, apparemment quelqu'un qui est en train de se régaler. Alors, je loot aucune ville. J'essaie juste de rester en vie. C'est possible ou pas? Pas commencer à culpabiliser de vouloir être en vie. Je suis à 56% de vie, moi, ok? Putain, mais ça commence mal, on va reprendre une arnaque. Je le sais. Non, c'est bon. Tu veux un œuf périmé? C'est bon, ça s'appelle les œufs de 100 ans, non? Un truc comme ça. Ah Délicieux. ouais, ça doit être ça. L'odeur est pas C'est infecte? vert, je crois. Oh non. T'es tombé sur l'ours? Deux zombies. Deux zombies. C'est pas terrible non plus. Deux là. Pas un, deux. C'est gérable. Chiant le jeu, hein. Vite fait quand même. Hein. Gérable. C'est géré, mais. Mais bon. Il devrait faire un système de. C'est quel jeu vidéo qui avait ça? Le jeu avec la foreuse avait ça? Un système où ça stack automatiquement et trie tout ce qui est dans ton inventaire. Bah en vrai, tous les jeux de qualité. Ouais, alors, prenez ça les devs de Scum. Ouais, Vous petite vous êtes bien pique. mouché là, hein? Petite pique là, quand même. Parce que, ouais. Pas compliqué non plus, hein. Je suis actuellement passé en C3. Je viens de passer la frontière. Ok, bah je suis au milieu de la route de C3. On peut. Alors c'est là qu'il y avait un ours, hein. Je sais pas où Ok. il est. Moi, je suis à la ville qui est en bas de cette route. Je sais pas si c'est une bonne chose de looter une ville, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un nid à zombies. Moi, je me demande si je devrais pas la looter, tu vois. On a peut-être pas le Non, même point dans de le doute, vue il sur va le. falloir que. Non, rejoins-moi, hein. Ouais, je C'est pense qu'on mieux. a. Ouais. Marrant C'est le ça. mieux, c'est le mieux. Ouais. Y a pas de. Ouais. Ouais, donc Tu veux me rejoindre. Donc là, je passe, je ne touche pas à la ville, c'est ça? Non, tu touches pas parce que tu dois me rejoindre, tu peux pas faire les deux en même temps. Ouais, t'es pas intéressé par le loot, c'est pas ça? Non, c'est pour qu'on se rejoigne au plus vite. Ouais. Pourquoi toi t'es intéressé par le loot? Non, mais bon. C'est dommage de passer à Chelou. côté. Changeons de sujet, parlons du train de hype. Chouchou. Voilà. Non mais attends, tu sais quoi? Vas-y, bah commence à looter, vas-y. Mais Non mais regarde, je fais une maison en fait. non, tu sais quoi? T'es arrivé par en bas. Bon, bah commence par looter par en bas. Voilà, j'arriverai par en haut, je commencerai à looter par en haut. Si tu trouves une arme, tu me la donnes. C'est la règle Ouais. du celui qui loot en premier qui donne à Ah l'autre. ouais. Ok. T'es sûr? C'était un ours. C'est un putain d'ours! Mais putain, t'as quoi avec les ours? Y en a pas mille non plus. Aïe! Non, alors là par contre il va me bouffer. Non. Je suis en train de. Attends, je fais le mort, je fais le mort. Je fais le mort. Putain, mais il se fait C'est bon. défoncer. J'en ai marre. 46% de vie. Je sais pas quoi faire pour m'en sortir. Il faudrait qu'un pote m'aide. Genre, en venant. T'es loin ou de la ville ou pas? Ah non, vraiment, là je suis juste un peu au-dessus de la ville, hein. Putain. Je vois les maisons, elles sont à quoi? 200 mètres? Putain, il aura réussi à me faire me barrer de la route, quoi, Je de la ville. vois une église. C'est pour te dire à quel point je suis prêt. Oh non, merde. Je vois pas l'église. Ah bah avance un peu alors. Ah Tu la merde. verras. Non mais ouais, je sais, je vois pas là. Rapproche-toi de moi et tu normalement tu vas la voir. Ah merde, putain. Ah mais comment vous voyez que je saigne? Parce que vous me dites soigne-toi et effectivement genre j'étais en train Normalement, il y a une de. goutte de sang à côté Ah de la ouais, là vie. je la vois pas. Je la vois pas. Donc je comprends pas comment ils ont fait pour le savoir. Ah putain, un zombie sur la Non, route. je vois pas où t'es, hein. Ours. Je vois pas d'église là. C'est normal, t'es en train de looter. Tu peux pas faire et looter et voir l'église. Pour ça, faut que t'avances. Ah non, là je comprends pas là. Tu crois que je te connais pas?
Bah tu sais quoi, c'est pas grave. T'avais qu'à être plus Sur la main clair. d'instinct. Oh putain, il y a des zombies. Il y en a plein, il y en a plein. Ok, je cours, j'ai 64% de run. Et là, s'il y a pas un T'es mec sur qui la vient route? m'aider. C'est toi qui cours là. Cours vers moi. Attends, faut que je m'allonge un coup. Non mais vraiment, j'ai Attends, plus mon jeu, d'endurance. il a des lags de Mais ouf. comment Mon tu jeu, t'es il a. mis dans la merde à ce point? Je sais pas, j'ai rien cherché. Mais limite, je vais mourir avec toi là. Attends, vas-y, ouais, fais ça. Je vais les accueillir, mais j'ai 10% d'endurance, je vais mourir aussi. Bonne chance. Aïe! Aïe aïe aïe! Mais c'est un pogo! Ah, mais ils sont trop forts aussi! Il faut qu'on rentre dans un bâtiment. J'ai 27% de vie. J'ai 27% de vie. 20. Ah pardon, 35%. C'est mon run. Faut que je saute. Faut qu'on aille dans le cimetière. Ils pourront pas passer. Ah bon, on ira Ils dans sont tous pas les cas, conscients je crois que je du peux. saut de haie. Aïe! J'en ai tué deux. Il saute, le fils de pute! Je vais mourir! Je vais mourir parce que ce mec s'est sauté! Demande le droit d'asile. Je peux pas! Je peux pas! On est plus en 39! Je peux rien faire! Casse-toi, 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 là, vide-moi, casse-toi! J'arrive, mais. Je vais pas arrêter de faire ça, je vais pas arrêter de faire ça. Vas-y, Aïe, vas-y, aïe, aïe, j'arrive, j'ai j'arrive, 20% de j'arrive. vie. Non, je peux pas, je peux pas. Je me prends des coups tout le temps dès que je le fais, je me prends des coups. Il passe son temps à taper, 20%, 20% de J'arrive, vie. cours, cours! Mais je peux pas courir, Viens! je n'ai plus d'endurance, je suis à 2%, 17%, je vais crever. J'arrive! Attends, arrête de le faire 14, bouger! Arrête de le 14. faire bouger, faut que je le. Vas-y, va derrière moi! Je peux pas courir, là, je peux rien faire, je peux rien faire. Je suis à. Je suis en train de saigner, je suis en train de saigner et j'ai pas de truc qui me permet de me faire un bandage parce que j'ai que des trucs de merde. Tiens, vas-y, je Je te le n'ai pas de drop là. bandage. Je te le drop là, de sur moi. Là, y en a un. Non. Ah, Genre. j'ai un cho... Non, Genre, non, non. redrop. J'ai lâché là. Ok, là je l'ai. Mais c'est le serveur, je crois. Je crois que c'est le serveur qui pue la merde. On est d'accord? C'est le serveur qui est juste surchargé de zombies trop forts et Moi, je dirais que le de merde. jeu il est. Donc, l'église est fermée. Non, elle est pas fermée. Oh non. Il y a une dinde. J'ai entendu. J'entends du monde là. Oh non, la dinde. Oh non! Elle se bat bien. Putain, elle est douée en vrai. Hein. Je vais te laisser combattre. Parce que t'as l'air d'être dans un meilleur état de santé que moi. Elle est forte, hein. Oh, sans déconner, putain. Je vais regarder le fight. Y a pas de dinde. Ah, il y Ah, en elle a est plus. morte. Ouais. Putain. Commence à être complexe. Oh, elle avait des myrtilles, la Oh la cadasse! Batio! dinde. Ah, bah je vois ce qu'elle est en train de faire, la coquine. Ah, putain. Oh, jure. J'ai Quoi? trouvé un Hunter 85. Ah oh, bah c'est le truc que j'avais tout à l'heure! Putain! Elle m'a fait saigner la dinde, hein. Ok, j'ai une boombox. Ça, du coup le poste de radio là. Une Faut peut-être le son à bombastique. fond. Est-ce que j'ai... Check test. Raw spotted. Tiens, t'as pas d'armes? De corps à Non. corps et tout? Bah prends, j'ai une lame de rasoir. On est en prison ou quoi? Oui. Je trouve ça pas mal, hein. Ouais, c'est un radin le seigneur là. Tiens, une lame de rasoir. Ok mec, t'as ce que je t'ai demandé. Le DJ là. Sais pas, ça se trouve on peut activer Je t'ai glissé le une lame poste de de radio rasoir là. à la Y a cantine. moyen? Je l'ai mise dans ta purée. Non, attends, je suis en train de penser un truc qui me ferait trop mal. Imagine. Avaler une lame de rasoir, ouais, c'est chiant. Oh, ouais, ça fait Non, mal. ça. Ah ouais, attends, non, en fait c'est pire. Non, je pensais un truc désagréable mais pas pire que ça du coup. Juste croquer dans un truc qui est un peu dur. Et en fait, il y a le métal de la fourchette dans le truc un peu dur. Et Ah tes ouais, ça dents va. croquent vers le C'est. métal. Ouais, non. Moi j'imaginais vraiment genre lame de rasoir dans la gorge. Non, non. Et vu que t'essayes de l'enlever, Pas tu te cool fais ça. encore plus mal et tout. Bref. Attends, faut qu'on devienne pote. Attends. Ah ouais? Fais le truc Ouais, là. vas-y, mec. Check. Vas-y, Comment on check. faisait?
Check Faut moi. créer, attends. Je peux pas? Je peux check time et check pulse. Comment? Attends. Comment? Fallait créer un gang là. Squad. Create squad. Ok. Invite to squad. C'est bon. Non, là tu vas mettre une patate. Comment? C'est bon là? Ouais. Ouais. Je t'ai mis une petite patate, putain. J'ai 14% de vie, vraiment. Je vois la vie en noir et blanc. Quoi? Je trouve un truc trop stylé. Attends, je vais te montrer. Oh, je suis refait. Je pense que tu mens. Oh putain de merde. C'est trop fun, on dirait un skin Fortnite. Couteau de cuisine. Oh 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 oh. Oh. Harmonica. Oh non, alors ça je le prends. Parce que la dernière fois je peux plus l'utiliser. Attends, il faut que j'essaye de l'utiliser. Un oignon. Oh, ça tu croques dedans, c'est délicieux. Ouais. Vérifie avec le goût qu'il a parce que. C'est comme ça quoi, qu'arrive une indigestion. Hein. Tous les oignons sont bons. Ok, c'est sa grand-mère qui disait ça. Elle avait certainement raison. Ouais. Alors, l'harmonica. Comment on en joue? Après, c'est un jeu de merde. Pas sûr que tu puisses en jouer. Hein. Casse-toi, toi! Oh! C'est incroyable. Oh putain, le bordel que ça fout. Attends, mon dernier que t'essayes d'en jouer là. Ouais, j'essaye, ouais. Ouais, je le garde, hein. Alors là... Oh, je le garde. Ah, autour d'un feu là, ouais, pas mal. Putain, pas mal ce jeu. Je retire ce que j'ai dit, il est super. Je mange une citrouille entière. Hein. Eh ben. Je sais pas, bah, je vois pas mon logo d'estomac qui est en train de remonter donc. Oh non, ça va servir à rien comme d'hab. Petite bouteille d'eau. Une citrouille entière, bravo, 5%. Petite bouteille d'eau pleine là, c'est un plaisir quand même. Ouh. Ouh. Regarde dans métabolisme. C'est dans quoi que je vois. Ça doit bugger, non? Parce que j'ai l'impression que je peux manger encore et encore. Mettre un short. Ouais. Stomac. Il est où mon stomac? Il est où mon stomac? Alors, le stomach, il est là. Oh bah, je peux y aller encore, hein. Allez, je suis plus rempli de flotte qu'autre chose, hein. La citrouille, finalement, c'est beaucoup d'eau. Charbon actif. On l'utilise pour traiter une surdose médicamenteuse, une overdose ou un empoisonnement. C'est vrai. Il y a un mec. Vers l'église. Église, il y a un mec. Une citrouille et une crowbar. Je sais pas avec lequel des deux je vais le taper, mais s'il vient, je devrais prendre une décision. Oh mais non, mais ta gueule. la catastrophe. Bah il arrive, il est là. Il est là. Hello. Hello. Do you like what you hear? Qu'est-ce qu'il raconte là?
Yes. Ah, oui, je suis français. D'accord. Qu'est-ce que tu... Je vais Quoi? augmenter ton son. Ah non, ton son est pas fort. Ton Ton son son est est pas pas fort. fort. Je sais, c'est mon micro, il est un peu nul. Ah, d'accord. Bah écoute, je vais te faire un joli petit concerto. Ok, vas-y. Je vais m'asseoir contre l'arbre. Merci. Moi, je te propose de Ça profiter. coûte. C'est pas gratuit, hein. Ah, merde, ça coûte quoi? Ce que tu veux. Mais en général, quand quelqu'un joue dans la rue comme ça, on lui donne quand même quelque chose de pas mal. Ok, bah attendez, je vais Parce que prendre. ça demande voilà des efforts. Ça c'est bon ou pas? J'ai pas une balle de punch par contre. J'ai une balle de punch, ça dirait pas. J'entends rien à ce qu'il dit. Ça fait un petit Franchement, voilà c'était voilà ouf. bon, je travaille hein, je travaille sur le morceau mais en gros c'est ça quoi. Bah, enfin, je vous propose des balles de pompe. Je sais pas si vous voulez. Bon, pas Ouais, forcément pourquoi pour vous. pas, hein? Attendez, je vais vous en donner 12 à peu près. Par contre, j'ai pas des de pompe. Je sais pas si. Enfin, Ok. Bah merci. Bah, merci J'en bien. prends 10 et j'en donne 2 à mon avis. Hein. Ouais. Bon, bah, à plus, hein. À plus, mec. Merci mec, à bientôt. J'ai tué un œuf pourri. Ah, Un mec que... j'en ai Ah, pas. dommage. J'ai rien à lui lancer là. Putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi? Je vais apprendre à jouer, hein. Pour de Oui, vrai, hein. bah j'ai vu que c'était un peu le début. Ouais, ça va Ça ne déjà. demande qu'à s'améliorer. Hein. Ça va déjà. Hein. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça génial. C'est juste que c'est le début, quoi. Ouais. On commence tous quelque part. Hein. Tu sais, un jour Mozart a joué comme ça. Hein. Non. Non? Les gars? Bon, croyez pas. Oh non, mais j'ai lâché mon couteau de cuisine, quel bouffon. Dommage. Ok. Oh, tu vois pas qu'on se barre de cette ville, il y a vraiment du loot de merde. Hein. C'est vrai que je fais du loot de merde ou pas? Moi, tout ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est de la vie. Donc, par conséquent, de la bouffe. Le problème, c'est que je pense que de la bouffe, je peux en trouver que dans une ville comme Ouais. ça. Ah non, là ça. Dis-moi, dans ce cas-là, les 10 façons de regagner de la vie le plus facilement possible et je te dirai ok, avec Bah, plaisir. moi, Héros, il m'a dit quand t'es en bonne santé, ça remonte tout seul, mais il m'a rien dit de plus. Donc, je suppose que c'est le seul moyen. Je suis pas forcément en bonne santé. Bon, après, ça c'est ton problème, t'avais qu'à prendre soin de toi. J'ai une hygiène de vie désastreuse. Bah, ouais. Après, c'est chacun prend ses responsabilités, hein, mais quand tu vas au McDo tous les jours, faut pas s'étonner après que ta santé remonte pas. Hein. Non mais c'est un commissariat en fait dans lequel je suis. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Je suis dans un comico. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai plein de balles de quoi que ce soit. Par contre, Oh. ce que... Mais il y a plein de trucs en fait. Attends, parce que. Comment on fait du pain? J'étais à deux doigts de te faire du pain, hein. J'ai de la levure boulangère et tout. Mais voilà, j'ai trop de trucs. Mais j'ai trop de trucs. Et je suis super content d'avoir tout ça. Ah non, faut beaucoup trop de trucs. Bon, qui a laissé son caleçon sale ici? Oh! Pas mal ça. Tes cales sont sales.
Wire, j'en ai besoin. Ça, je sais pas avec quoi je peux le combiner. Je veux dire, ça se combine ensemble, ça? Ah, mais non, bow, c'est pas pour ça. Et donc, je le drop, je m'en fous. Oh là là, je crois qu'on va s'en aller de cette zone là. Attends, attends, parce que. Tu trouves des trucs toi? Ouais. Moi, Des c'est la choses galère un suffisantes peu, pour me frère, faire là, hein. regretter? Compliqué, là, hein. Non, non, j'ai trop de trucs. Pardon, hein. Je peux pas te. C'est quoi le meilleur truc que t'aies eu, genre? Fais-moi rêver, hein, parce que. Des flingues. Des Oh, chargeurs. mon cul. Des flingues et encore des flingues. Mon cul. Plein de flingues. Des chargeurs et des flingues. C'est un zombie qui a gueulé? J'ai entendu un truc un peu inquiétant là. Je suis en train de manger une gousse d'ail, mais complètement, hein. Je mange tout. Principal problème, j'ai pas de place pour stocker toutes ces choses. T'es où là? Viens vers moi là, je vais manger une gousse d'ail. Putain, elle Bon, est du coup, dégueulasse. on fait quoi après là? On va où là? J'ai Chut, y'a un zombie pris dans le une coin grosse là! taf, ouf la vache. Tu vas alerter le zombie là dans le coin là! Non mais regarde, tu vois là, tout ce qu'il y a là-dedans ou quoi? Tu te rends compte ou pas dans tous ces casiers là? C'est une Va belle chercher parce zone! que j'ai plus de place, si tu veux. Tu comprends pas, faut que je T'entends? t'explique. T'entends? T'entends quoi? Y'a un zombie là! Qui s'énerve! M'en fous. Je vais me balle dans la tête le zombie. Tu vas le regretter. Boîte de munitions de fusil de chasse. Oh. Mais j'ai pas assez de stockage. Je commence à être énervé un peu là. Eh ouais, moi aussi là, je suis coincé, je suis coincé. En fait, je crois que je suis quasiment énervé, ça y est. Là, je gâche tout le potentiel de ce bâtiment Ça me parce que j'ai saoule. pas de sac à dos. Ah ouais, c'est trop bizarre, j'ai envie de péter un plomb là, c'est chiant. Et je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres trucs à récupérer, mais que je peux pas. C'est sûr. Bah ouais, t'es là où. Ben voilà, shotgun et tout. Bah ouais, il y a Putain, une mais. boîte de munitions, tu vois, et j'ai même pas la place de la prendre. Je vais enlever la poudre à canon. C'est sûr qu'il y a trop de trucs. Putain. Ça regorge de ressources ici, c'est vraiment Je cherche impressionnant. un sac de merde. C'est tout ce que je veux, un sac de merde. Quel Sans sac, on style! n'est rien. Bon, sur le toit, j'ai encore rien à voir de plus. Ouais. Non, vraiment, vraiment c'est la merde. Et ben on se C'est casse, la merde. on va trouver mieux, Bah on va. ouais, mais mec, il y avait des trucs de ouf. Et comment on fait pour avoir un sac si on n'en a pas un dans cette ville? Oh écoute, c'est pas la peine de prendre comme ça, on va trouver une solution. On va se barrer. T'as cherché là-dedans? Bah non, regarde, il y a un flingue là-dedans. Putain, Un mais t'es Tech-01 sérieux? M9. Tu l'as pris ou pas le flingue? Prends-le. Mais non, je l'ai pas pris, Y a même un putain. M9 à côté. Non, j'ai rien pris là. Je sais même pas où t'es en fait. Putain! Là-dedans, c'est dans ces casiers-là qu'il y a des trucs de Putain, mais ouf. en fait c'est. Alors est-ce que chaque casier est indépendant des autres ou j'en sais rien Non, moi? je parlais même pas de ce casier-là, là. Je savais même pas que ça se lootait, ceux-là, Tu d'ailleurs. parles. Je Ah, te tu parle de parles ceux de qui sont ça sur les là, mais. côtés. Ouais, bah d'accord, il y a un M9 et. Mais c'est même pas un flingue, de quoi tu. Ouais, Voilà. là. Voilà. Là, il y a un flingue, mais genre ça dépend en fait, c'est chiant. Mais pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas le mettre dans mon. T'as plus de place, tout simplement. Et ça commence Suis à être d'accord. embêtant, ça Je suis commence à être d'accord, faut qu'on se barre. embêtant! Mais c'est pas qu'il faut qu'on se barre, c'est qu'il faut qu'on ait un sac à dos. Et on est coincé. On est coincé. Si. Ouais. Parce qu'on va le trouver où le sac à dos si on se barre d'ici? Bah ouais, mon pote, nulle part. Tu commences à me faire flipper là! Je suis en flip total, putain, je. C'est quoi safety?
Safety pin box. C'est quoi des safety pins? C'est une pin de sécurité. Alors, le chat. Épingle la nourrice. Bah, on s'en branle alors. Ça va me servir à quoi cette merde? Ça dégage. Pourquoi on dit des épingles à nourrice? Alors que eux ils appellent ça des safety pins. Pourquoi on est venu foutre une histoire de nourrice là-dedans? Je crois que je vais devoir lâcher mon harmonica. Non, pas l'harmonica! Bah voilà, on en est rendu où? Alors, je t'explique ce qui va se passer. Je garde l'harmonica, à quel prix? Je lâche le charbon actif. C'est-à-dire que si l'un de nous est empoisonné, on sera mort à cause d'un harmonica. Voilà, si on a tous les deux connaissance de ça, moi ça me va. Ça me fait pas plus plaisir. Aucun problème. À toi qu'à moi, c'est juste que. En vrai, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ça, y a pas de galère en fait, comme on dit. Garde l'harmonica. Ok. Faut que le reste. Ça te dit qu'on aille dans un endroit. Plus ou moins intéressant. Mais je veux bien. Mais où est mon pistolet? Putain. Mais je vais péter un plomb en fait. Merde. J'avais un pistolet. Attendez le chat. Je suis pas fou, j'avais un pistolet et là il a disparu. C'est un truc de fou. Tu l'as lâché? Bah je vois pas comment et à quel moment. Il est là. C'est fou, c'est bizarre. Je l'avais là. Voilà. Attends, est-ce que j'ai mis qu'une seule balle dans mon flingue? Ah bah oui, parce que j'ai pas de chargeur correspondant. Tiens, t'as un chargeur de M9 pour moi? Ouais, pourquoi? Bah, par hasard, mettre des balles dedans, parce que là, j'ai un flingue, mais je peux rien faire. Bah, t'es sympa. Mais j'ai un M9 aussi, putain. Et alors, c'est grâce à moi que tu l'as? Oh, j'ai le seum, putain. N'oublie jamais ça. C'est vrai. Tu marques un point. Bon, on y va, mais tu sais pas ce qu'on loupe en se barrant d'ici. Ouais, c'est une mine d'or. Tu continues de looter? T'as pas rendu la leçon? On se casse. C'est bon là. Morceau de caoutchouc et savon, c'est bon. En gros, là, le seul truc qu'on peut faire, pour nous, le mieux, c'est de trouver une base à looter. Mais on retombe dans la même galère que la dernière fois. Sud-ouest, elle est incroyable. Tu vois en B3, oui. En haut à gauche de B3, je suis passé à côté, c'est un paradis. Genre c'est. Pfff. Mais ouais, mais on va se faire fumer, non? De toute façon, peu importe où on va, il y aura les. Bah les robots quoi. Ouais. On va juste devoir être meilleur, plus prudent. La dernière fois, on a un peu bait quand même. Hein. Non, on était. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de plus? Être meilleur. Non, Pokémon là? C'est un shonen, c'est cool. On va. Sud-ouest, t'es sûr? Il va faire nuit, hein. Quel rapport? Tu veux qu'on aille dormir à l'hôtel? Qu'est-ce qu'il dit là? Il cherche des excuses pour pas y aller. C'est juste que on va devoir looter de nuit sans rien voir, donc zombies, joueurs adverses, quoi que ce soit, on aura juste les phares des robots. Je sais bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va pas avancer, c'est bon. Mais faudra pas te plaindre. Mais nous dire, je crois. Et je ne me plaindrai pas. Réussi pour ma part. Ah, j'ai pas d'endurance. Ah ouais, attends. Allez, oula, salut. Oula, petite pause s'impose là. Oh, je suis bien là dans les fleurs, dans l'herbe. Oh, je suis voilà. Avec ma fourche là, c'est vraiment un beau screen. Oh, le chat, prenez vos. Voilà. Faites-vous des fonds d'écran là, c'est quand même magnifique, hein, putain. Attends, on se repose là. Ah, le fermier. Dans la nature. Attends, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. J'ai toujours pas eu mon objet bonus là. Si j'ai pas payé le jeu de blinde pour pas avoir mon objet bonus. C'est le moment d'avoir son objet bonus. Ah, le suspense est grand, mais qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Pour l'instant, c'est bien consistant, ça veut dire que je suis pas malade. Ah! C'est quoi?
Une barre chocolatée. Attends, vérifie que c'est bien une barre chocolatée. Ah ouais, c'est une barre chocolatée. Ok. Ah putain, de chocobar. Mais toi aussi, normalement, tu l'as, non? Ouais, mais j'ai pas de place. Ah si, j'ai la place là pour me chier une barre chocolatée. Eh mec, montre-nous ta chocobar. T'as peut-être autre chose, toi. Hein. Allez. Oh, Non, il y a un j'espère moment donné, que tu je vais faire une barre pouvais. chocolatée aux noisettes là. Oh pitié, pas chocolat noir, pas chocolat noir, pas chocolat noir. Oh le bousin. Oh, des Oh! spaghettis à la Oh viande. putain! Oh! Des spaghettis. Eh, j'ai tout sorti, spaghettis, boulettes de viande et sauce tomate. Et par contre, mec, tu veux l'ouvrir ton ouvre-boîte? Ah, je pense à quel Oh couteau ça merde, marchera. peut-être que ouais, j'en sais rien. Tu nous restes vite, le soleil va se coucher. Non, mais c'est réaliste, on est juste des mecs qui ont été en prison et c'était pour faire passer certains trucs. Apparemment. Bon, alors le premier paragraphe, je le sais, genre deux robots par base. Ils ont le même pattern à chaque fois, sauf s'ils nous ont vus. Deux entrées dans la base, la grande porte c'est souvent plus facile que la trappe. L'idée c'est de courir quand le robot est à l'opposé vers la grande. À l'opposé Donc vers on la grande court, porte. même s'il fait target engage, parce qu'il nous a entendu. À l'opposé de la grande porte. Chacun à votre tour. Il va sûrement vous tirer dessus un peu, mais il aura pas le temps de vous toucher. Mais bah la dernière fois. Bon, après peut-être que s'il est à l'opposé, il aura pas le temps, j'en sais rien. Il nous a bien fumé tous les deux, la fois, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Bah, si on meurt, c'est à cause des héros. Voilà. Au moins ça fait une excuse. Ou alors toi, t'as la flingue là. Tu rentres et tu mets en joue le robot. Ouais, et du coup il va s'arrêter, il va lever les mains en l'air comme ça. C'est qui tout double. Soit il lève les bras, soit il tire dessus, mais faut tester. L'énorme robot qui lève ses mains là. Ok. Repose ce flingue, ok. Moi j'ai aucune balle dans dans mes armes en tout cas. Ah, t'as pas de balles. J'ai rien. T'aurais dû me dire, je pouvais te prêter un peu de balles. Tu veux des balles? T'en as beaucoup? Mais j'ai pas de chargeur Bah. pour le M9. Ah ouais. Bah, tu peux te dropper. T'as des T'as de la points. balle pour. T'as du 22? C'est du neuf qu'il te faut, toi. Pour mon fusil. Ah, Non, non, c'est des grandes munitions le 22, et ça, j'en ai pas. Dommage. Attends. En fait, j'ai un chargeur avec des balles qui vont dans le MP5, mais je sais plus ce que c'est. Ah non, il n'y a plus les balles à l'intérieur. Ça Je les c'est ai vidées. du Ah ça oui, c'est du d'accord. pas c'est pas du point 22 ça. C'est la même chose que ça. Dans le bloc 21 magazine, non, je pense pas. Pourquoi tu drops Parce que j'ai un stack Qu'est-ce de que tu 20 dis? là et ça me saoule d'en avoir deux là. Bah, je récupère. Sers-toi. Il te reste de la place pour Ah, 7 c'est balles pas de tout pompe? mais faut aller bosser. Ouais. Non. Bon, ok, Ouais. là, je drop. Oh, vivement que je drop un pompe, hein. Putain, que je trouve un pompe. On est. Eh ben, on va arriver. C'est là, hein. On est rendu, hein. Oh Ah, non. zombie. Zombie. Et le problème, c'est que. Ah ouais, je vais dropper mon flingue par terre à chaque fois parce qu'en fait, j'ai pas la place de le. Ah non, c'est bon. J'ai pile poil la place, je pense, de le prendre. Ok. C'est bon. On te dérange pas? Ah, pardon. Je suis à vous tout de suite. T'inquiète, de Alors, toute façon, madame. là j'ai le rythme, c'est bon. Attends. Tiens. Attends, voilà! Espèce de connasse. D'un dono! Oh, elle n'a rien sur elle. Oh, le soleil se couche. Alors, ok, je vois le camp. Ok, je vois les robots aussi. Ok. Bon. Et Tranquille. ben, on fait On fait ça de tranquille. hangar en hangar, ça Ouais. devrait le faire. Voilà. Faut juste qu'on. Il y a un petit trou là. Il y a un trou. Voilà. Bon. On passe. Ah non, c'est un trou ou c'est de l'herbe? J'ai du mal à voir. Il n'y a pas de trou. Donc faut passer par la grande porte. On peut ouvrir la grande porte? Open. Ok, vite, premier hangar. Ah bah non, tu sais quoi, toi fais l'autre. Comme ça, on prend le temps de looter de fond en comble en premier. Il va se tourner, il va se tourner.
Ça va? Non. Non, ça va pas. Si, si. Non, 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 ça va pas, non! Putain, je déteste ce putain de jeu. Je peux Oh pas. putain, mais... Comment je... Oh, mais non. Ah, Comment puis il y a je... les zombies en plus. Pourquoi j'ai pas de quoi... Couper en chiffon, mais je ne peux pas parce que... J'ai un emergency bandage, si tu veux. Non, mais je vais découper mon pull de Noël. Oh non! Toute Bah, façon. ça m'a rien donné. Pour te la faire court, on est baisé parce que de toute manière. Ça m'a rien donné. Oh. Mais comment je fais moi? Mais je fais quoi là? Bah viens, je te donne un emergency bandage. Mais j'ai la jambe pétée, je peux même pas. Ah, jambe pétée, ça se répare toute seule au bout d'un moment, c'est sur toi que ça tire là? Suis trop dans la merde. C'est moi qui vise? Je crois que c'est moi. Ce serait bien qu'il arrête d'être en état d'alerte. Mais putain, mais comment on se fait un rags là? Ben, il faut des vêtements en fait qui sont en bon état. Si tu t'es fait trop défoncer par un zombie, Mais moi ton je truc est crève considéré là. comme mort. Vas-y, vas-y, hein. Plus fort. Espèce de malade, va. Je me demande bien comment je vais en sortir, moi. Bon, t'as de grandes chances de mourir. En vrai, ouais. En passe-mytho, t'es mort. Ouais. Ce qui me fait chier, c'est ma jambe. Bah, je crois que la jambe se répare toute seule au bout d'un moment. Oh, j'espère, mais... Ah, j'ai plus de toute place parce que j'ai niqué tous mes vêtements. T'as plus de place? Non. Je viens par miracle de trouver. C'est son. À peine dans l'abus, quoi. Je vais mettre fin à mes jours. Alors, comment je vais réparer ma jambe? Alors, il faut une attelle, il faut des bâtons, des rags. Je sais pas à quoi d'autre. Elle est où la telle? Cette blague, ça a fait des pop. Ma gunpowder, hein. Est-ce qu'il va vouloir me tirer dessus? Ok, non, faut que je reste allongé. Alors, il faut absolument que tu viennes et la tenir. Pourquoi je ferais ça? Parce Ouais. que il y a
Une veste tactique à récupérer. C'est pas mal. Je peux pas courir. Ok, alors reste là où t'es. Je vais pas te la porter, mais elle est dispo. Elle est par terre là. De toute façon, après, même si tu viens, je pourrais toujours pas courir. Mais on est d'accord que la jambe, ta jambe va se réparer. T'as regardé dans le menu de craft la telle? Bah, je cherche, mais je la trouve pas. Parce que tout est en anglais et chiant. Et mal fait. Alors une lampe. C'est chiant. Une attelle en anglais. Unutile. Une attelle. Unutile. Figure-toi que je viens d'équiper mon M9 d'un silencieux. Oh, attendez là quoi. C'est une très bonne zone de loot. T'as un couteau? J'en avais un, il doit être dans la maison. Je vais t'en garder un de côté. Mais il faut vraiment que tu ailles chercher cette veste. Quelqu'un Il est sait, là. pour la telle, ce qu'il doit faire? Ouais, je sais qu'il y a une attelle, mais je la trouve pas en fait. Parce qu'ils auraient dû mettre un truc de recherche, parce que là je comprends rien en fait. Je regarde tout, mais j'en vois pas. C'est chiant. C'est moi, il n'y a pas de souci. Ok, tranquille. Une attelle. Que le menu est dégueu, hein. Putain. Mais il n'y en a peut-être pas, hein. J'ai vraiment fait le tour en vrai. Ce serait bizarre qu'il n'y ait aucune attelle. Comment se soigner une jambe cassée? Scum. Ok, je vais sur Google. Scum broken leg. Y a pas de réponse? C'est sérieux? I got Cracker Zack here coming back to you Je regarde un against tuto. it's gonna show down in your BCU bomb has been injured. So what you do here is if you find some rags, make sure they're clean rags. Some of them will say dirty rags, you want to make sure it doesn't say dirty. So what you do, you just right click and you hit patch wounds. So it says patching wounds. And he goes through the process of patching them. Once he's done, you go back to C'est toi, qu'est-ce qu'il te fallait comme arme déjà? Comme munition? Ah non, c'est simple. Du 9 mm, mais j'ai genre... Ah, du point 22. Ouais, du point 22. Du 22. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était un tir, mais pas un robot. Unless you train your physical. C'est moi? Mais il me voit à travers les murs? Bon. Je m'accroupis, c'est bon de me faire oublier. Apparemment, ma blessure est traitée. Bah, je vais attendre. Hein. Ta blessure est traitée? Je mange une citrouille en attendant. Bah ouais, parce que j'ai en fait il faut juste mettre un bandage et attendre apparemment. Donc c'est ce que je vais faire. Tu vois, j'ai lancé une flare. Sympa, hein. Je vais aller voir ça. Je la vois pas moi perso, hein. Fallait peut-être l'allumer avant de la lancer.
peut-être ça, ouais. Putain, je me régale avec cette citrouille là, je vais peut-être vomir, hein. Hmm. Bon, après, une jambe cassée, ça met combien de temps dans la vraie vie? Parce que là, j'avoue que. Dans la vraie vie, c'est un peu long. Moi, je me suis cassé l'orteil, ça fait déjà plus de 2 semaines, c'est toujours pas soudé, hein. Bon, donc bah, là, je suis pas sûr que ta jambe va tenir tout de suite. Ouais, j'ai peut-être pas 2 semaines là. Mais bon, on va voir. Hein. Je peux comprendre, hein, le réalisme, c'est important, vous savez. Oh, dans un jeu, la simulation c'est important. Faut que ça colle à la réalité. Franchement, bon, voilà, je vais pas critiquer parce que. Bah, sinon les joueurs ils sont déboussolés. Ah bah voilà, comme je l'avais dit, je vomis ma citrouille. Oh là là, je passe un mauvais moment. Hein. Y'a rien qui va, hein. Putain. J'ai trop chaud, ça va pas du tout. Alors, je boite toujours. Putain, ils me font peur ces putains de robots de merde. Mais... C'est un coup de pression qui me met ou pas là? Quand j'ai déjà un objet dans mon inventaire, stackez-le automatiquement, bordel de merde. Ouais, il a raison là-dessus. C'est vrai. Bah évidemment. Up and go céréales. Je bouffe tout, j'en ai rien à foutre. Je vais remplir mon estomac. En fait, je trouve qu'on doit beaucoup trop manger. Voilà, je mange de ouf, hein. Putain, je me donne, hein. Vraiment. Oh, ça y est, je cours comme un lapin. Mon gun, qu'est-ce qu'il a, mon gun? Encore une citrouille. Oh non. J'ai plus mon gun. Je l'ai laissé où? Ça, c'est le pire, c'est la pire sensation. J'ai laissé mon gun derrière. Mais ils ont raison. Mais j'ai plus mon gun. Et moi j'ai plus mon... Faut que j'aille le retrouver. Mon couteau. Mais mon gun... Je l'ai drop avant de sauter par la fenêtre. Le râteau aussi. En vrai, je crois que j'ai plus la place de prendre tout ça là, vu que j'ai complètement. Je suis un peu dans la merde à ce niveau-là. Il me faudra le gilet tactique. Bah, je vais essayer de te rejoindre, ça va être un petit clutch. Ah. Tu devrais pouvoir y arriver. Ouais. Alors, où est-ce que t'es? T'es là. Ok. Dans l'autre bâtiment, l'autre. T'es dans l'autre? Enfin, toi, du coup, faudrait que t'ailles dans l'autre encore. Je vais essayer de traverser déjà. Fais gaffe parce qu'il y a, il y a le robot qui est rouge déjà. C'est contre moi. C'est contre moi. C'est contre moi. Pas de soucis. C'est contre moi. Il n'y a pas de problème. On bande. Ça, c'est moi. J'aimerais pouvoir les crever, ces saloperies. Ok, je vais changer de côté. Faut que je vienne dans ta maison là? Non, faut que t'aies dans une autre pour que ce soit. Pour le gilet. Je parle du gilet. Ah oui, pour le gilet, ouais, c'est le premier. Ok. Ah ouais, nickel. Oh, parfait. Tu vas me voir là ou pas? Ah, c'est chiant le bâtiment, il y a beaucoup de. C'est pour moi. Il y a beaucoup de fenêtres. Putain. Non, mais c'est trop chiant!
En fait, c'est. Le jeu bug encore en fait, il voyait à travers les murs. Dès qu'il y a une porte, il considère qu'il n'y a pas de porte. Bah, dis que ta mère, c'est quoi, t'es derrière, y a pas de fenêtre. Bah, je loot bien comme il faut là. Et j'ai pas la place de. Ah, il est chiant avec ses déplacements là. C'est quoi ce machin? Ça a l'air d'être bien. Ah, y'a une porte! Oh putain! Il se rapproche! Il se rapproche! Ah, c'est quoi que j'ai récupéré? Ah! C'est pour mettre sur une M4. Ok, mais j'en ai pas. Je suis en train de bouffer du sodium. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Ouh, ça fait peur ces bâtiments quand même. Hein, je bouffe un piment en entier. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est toi ça? Ouais, je pense. Ouais. C'est moi. Bah le chat accroupi, je pense, vu la hauteur des fenêtres, ce sera la même chose. Hein. Ah mais même allongé, c'est la même chose. Hein. Moi j'ai fait allongé, je vais réessayer, mais la plupart du temps ça sert à rien. En plus quand t'es allongé, tu mets du temps à te relever, donc moyen de prendre très cher. Ah, des pastas. Oh les pastas. Je vais pas pouvoir les prendre parce que j'ai plus de place. Putain les bonnes pastas. Il va me tirer dessus là. Si ça peut l'occuper. Là il passe en jaune. Mais comment je fais pour récupérer les pastas? Il y a deux boîtes en plus. Les bonnes pastas. Moi j'aimerais bien pouvoir les ouvrir et les bouffer. Bah tu peux. Moi là je suis en train de les... Ça croustille hein, c'est dégueulasse. Je les fais même pas bouillir. C'est histoire que ce soit pas perdu, tu vois, hop. Il m'a pas vu. Il me voit pas là, pitié. Ouh, je crois que c'était moi. C'est moi, c'est moi. Allez gros con, vas-y fais tout le tour. C'est bien bouffon. Vas-y. Putain, je trouve un sac à dos, il me met bien, putain. Ah ouais, putain, t'as de la chance. J'en ai un autre ici. Oh là là, on est bien. On est vraiment bien. Y'en a un autre sac à dos? Ouais, ouais, ouais. Ok, j'ai. Sac à dos de randonnée, je pense que. Y'a de la place là-dedans. Je rentre. Oh putain. Y'a une lumière. Mon sac. Ouais, ouais, mais attendez. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Attendez. Ah, attends, je vais virer tout ce qui est dans mon sac à dos. Pour aller récupérer celui qui est là-bas. Enfin, je dis là-bas, je sais pas où il est. Il est à côté de moi là. Il est dans ce casier là, ici. Casier de gauche ici. Vers la porte. Attention, merci. Attention à toi. Hé hey. Ouf. On est pas content. Prends rando, c'est mieux. En train de crever. Bon bah t'auras le meilleur sac à dos, tant pis. Est-ce que je peux pas... garder le petit sac à dos pourri à côté, comme dans une sacoche? Je sais pas. Je
Ils lootent bien tout de fond en con parce que c'est là qu'on va pouvoir se régaler. Hein. Ouais. Alors là, si c'est pas toi, c'est qu'il y a un problème. C'est bon, c'est bon. C'est moi. Ok. Non, 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 les zombies. Les zombies plus le... Faut que tu sois dans un bâtiment fermé, vite. Non, non, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Me touche pas, me touche pas. Mais putain, mais c'est un jeu de merde! C'est un jeu de merde. Je pouvais rien faire. Je fais clic gauche sur les zombies, ça fait rien. Ça pue la merde en vrai. Aïe 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 aïe. Attends, t'as peut-être avancé assez de points pour apparaître à côté et tu auras ton cadavre. Non, je pouvais pas, il m'a pas proposé. T'as pas fait charger le truc? Non. Parce que là, t'as ton cadavre, t'as tout. Pas comme si on allait se faire. Gros jeu, hein, putain. Gros jeu. Trollhead by the game. Problème. C'est vraiment trop bien quoi. Je pouvais? Ah bah je savais pas. Oh la merde dans laquelle je suis là. T'es à quelle distance? Je suis à une deux cases. Go suicide et utiliser des points. Non mais ça marche pas comme ça je crois. Le moins cher c'est de se TP dans la case dans laquelle t'étais quand t'es mort. Genre là si je me suicide je vais juste respawn dans cette case là. Je pense. T'avais looté tous les trucs qu'il y avait dans le bâtiment dans lequel t'étais? Non, j'ai rien looté. Ah, t'as rien looté? Bah non, je me suis fait tuer. Instant. Ah, mais t'es mort dans le bâtiment? Ouais. Mais attends, mais j'ai pas vu de zombies dans le bâtiment dans lequel. Parce que j'étais dans ton bâtiment, j'étais juste dans les douches. Je sais pas, il y avait des zombies, deux. Ah ouais, c'est la merde. Ok. J'ai trouvé une mine antipersonnelle. Donc à tout moment, je peux te pranker. En fait, j'avais deux zombies et deux robots. Genre, parfait quoi. C'est bizarre parce que je vois pas ton cadavre dans le bâtiment. Tu dois pas être dans le même bâtiment que moi, hein, c'est pas possible. Non, non, j'ai changé de bâtiment. Un peu ah, loin. Et bien dans le bâtiment précédent, t'avais fouillé? Ah ouais, ouais. Bah celui où on était tous les deux, quoi. Ouais, celui dans lequel on était tous les deux, t'as fouillé et les boîtes qu'il y avait et les casiers. J'ai fouillé les casiers du fond, il y avait les sacs à dos, mais peut-être pas les autres. Et t'as fouillé toutes les petites boîtes blanches parce que ça se loot tout ça? Ouais, je vais pas me suicider, ça va me coûter des points et ça sert à rien, je pense. Bah, si vous me dites que je peux... trop loin. Ah, si vous me dites que je peux me suicider et choisir le secteur, je le fais, mais je ne pense pas.
Mais non, tu peux pas choisir un secteur et te faire des points pour faire ça. Bah ouais, mais j'en ai, mais. Mais Peut-être t'en pas as assez, assez? quoi. Bah, je sais pas, le chat me dit que c'est. Pourquoi j'ai fait ça? Oh putain, j'ai failli faire une grosse boulette. Ah, mais je vais mettre tellement longtemps. Enfin, d'ailleurs. Non, on n'est pas un port. Choix pas précis, 25 points. Ouais. Points secteur, ouais, mais tu choisis pas sur la map, tu choisis pas genre, tu dis pas je veux aller en C3, tu dis je veux Ouais, aller là moi où je choisis j'étais. pas. Non, parce que plus je me suicide, plus c'est long pour respawn. Donc ça, je vais pas le faire. Non, je crois que je suis condamné à marcher là. J'ai fait mes besoins aux toilettes. Gros dégueulasse. Bah pourquoi? Espèce de porc, va. Tu fais ça aux toilettes? Tu peux pas faire ça sur un établi comme tout le monde? J'ai fait 25% de mon trajet. Pas mal! C'est bien, non? Ça fait un quart. Attends, j'entends les zombies, effectivement, je crois qu'ils sont dans ton bâtiment. Attends, c'est toi qui as mis tes spaghettis à la bolognaise dans une caisse? Je crois pas. Ah, parce que j'en ai trouvé une dans une caisse, je trouve ça honteux! Je crois pas. Plus près que ça, plus près que ça. Tu veux rentrer aussi, fils de pute? Vas-y, rentre. Non mais le robot il se colle à la porte. Ah, les robots, franchement, c'est. Je crois que c'est un des ennemis les plus frustrants que j'ai vu dans le jeu vidéo. Hein. Ah C'est ouais, putain, c'est incroyable. Hein. casse-couille, hein. Genre quand ils t'ont vu, c'est un truc de fou. Hein. C'est ta vie est foutue. Hein. Lourdingue les mecs. Putain, j'aurais pu. Je suis un peu con de pas avoir fait gaffe si je pouvais respawn à côté. Hein. Là, j'avoue, un peu con-con le gars. T'aurais, je t'ai dit, tu pouvais, je crois, juste dépenser assez de points pour réapparaître aux alentours de la zone. Ouais, c'était quand même pas mal quoi. Ouais, Mais bon. c'était pas mal, mais c'est ce que je t'ai dit. Tu m'avais dit j'ai pas assez de points. Du coup, si t'avais pas assez de points, y'a rien à regretter. Ouais, c'est pour ça que je te dis que je suis con, c'est que j'en avais assez. Ah! Ah, le connard! Ouais. C'est pas grave, je vais les utiliser pour la prochaine mort. Eh, c'est pas perdu? C'est pas perdu. Par contre, comment... Cum. Ça fait encore rire. Cum. Bah en fait là ils me voient courir, en fait du coup ils ont rien, ils peuvent se concentrer sur rien d'autre. Genre il y a rien d'intéressant à l'écran à part cum. Cum. Par contre, je te déconseille les spaghettis bolognaises qui sont dans mon sac à dos. Pourquoi? Je les ai pas achetés au supermarché. C'est maison. Elles viennent de la supérette du coin, si tu vois ce que je veux dire. Je te déconseille les éclairs au chocolat du patron. Oh ouais, je pense à ça.
Oh, il y a un Tech 01 M9 mais qui est plus gris clair qu'autre chose. On Ouais, s'en je me suis fout, posé la ok. question alors que c'est le même. Ouais, c'est le même mais il est juste plus clair, Trop celui-là bien il a juste d'avoir un mis des skin skins, différent. en vrai. Est-ce Trop que quoi? stylé. Trop bien d'avoir mis des skins d'armes, hein. Trop stylé. Ouais, bah, ils ont bien mis des trucs d'âne de Noël. C'est pas un âne, c'est un élan. Un renne. Un renne. Oh Les la rennes du vache, Père bah dis Noël. donc. Les élans du Père Noël. Les Les vaches du Père ânes. Noël. Les ânes du Père Noël, c'est stylé. Est-ce qu'il est possible de tuer des robots de manière pas complexe? Genre, c'est-à-dire pas avec 50 lance-roquettes et 10 grenades? En vrai, je sais pas. Genre, pourquoi ils ont pas fait un truc du style? Ouais, si tu vises pile poil à l'arrière du robot dans ce petit bouton rouge d'une seule balle, tu peux le mettre hors circuit pendant au moins 10 minutes. Tu vois? Un truc comme ça. Oh d'ailleurs, mais putain, faut viser, faut prendre des risques. T'es pas content de mon idée, tu dis plus rien. Salope. Pas toi. Ah ouais, quand même. Espèce de grosse salope. Mec, elle n'a rien fait. Non, j'ai été alpagué par un zombie, comme si c'était pas assez, quoi. En fait, là, j'aimerais bien me taper un zombie qui est à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs, vraiment plusieurs, là où t'étais. Il y en avait deux, ça c'est sûr. Tu Maintenant, vois, j'en vois un, mais il a l'air d'être vraiment agacé, hein. ils étaient lourdement équipés en équipement militaire. Et ce qui était hyper impressionnant, c'est que quand je faisais clic gauche, ça faisait rien. Bah si c'est des zombies militaires, je peux comprendre. Aïe, 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 c'est des zombies militaires. Ok, je tente. Allez, je tente. Je tente. J'aimerais bien prendre mon putain de... Voilà, pied de biche. Ok, on enchaîne. Ok, un mort. Et l'autre. Bah l'autre il vient pas. Et t'es mort contre ça? Taras, il y avait deux robots. Et j'étais coincé par une porte. Je fais trop de bruit, putain! J'essaie de taper le zombie, mais je tape sur la meuble quand toute vie en métal! Ça fait bang! Bang! J'ai un contretemps. Quoi? Je suis bloqué en haut d'une tour et en bas il y a un zombie. Faut mettre des patates? Bon, j'y vais. Je devrais peut-être partir là. C'est vrai que j'ai un silencieux, je devrais peut-être essayer de l'utiliser là. Attendez, bougez pas. Putain! Efficace! Quoi? Je lui mets juste 1000 coups de pied quoi. Putain, ça me fait rire, mais ça me... j'ai envie de péter un plomb en même temps. Ça me fait rire, mais je suis au bord des larmes, les mecs, putain. Ouais. Là, je rigole parce que je suis sympa, mais j'en ai marre. Putain, quoi. Tous les putains de zombies que je croise, c'est Mike Tyson. Alors, je te jure qu'ils m'en foutent 5 pour que je leur mette 2. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il y a trop de zombies sur ce serveur. Non, non, mais moi, je pense que tu peux bien appeler... Par son nom, ce gros jeu de merde en fait. Désolé. Non mais y a pas de souci, je le pense un peu aussi. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve le plus, c'est ces putains de jeux de merde qui sont à la fois plutôt bien. Ça me casse les couilles. En fait, c'est qu'ils sont très bien, mais mal dosés. Y a des petits ajustements là, juste un peu de qualité de vie quoi. Merde. Je demande pas la lune. J'en ai pas une, je demande. Des zombies avec lesquels tu peux te battre sans être au bout de ta vie, quoi. Merde. Faut que les zombies soient une source d'amusement. Dans DayZ, je te jure, les zombies, bah... Tu te démerdes, ça va. Non, j'avoue, c'était Ah, chiant. Non, tu cours un peu ou non, Oh ils non, lâchent j'avais pas l'affaire. vu. Ils font bon, bah je rentre chez moi. J'avais pas vu.
Par contre, il fait nuit combien de temps? J'ai pas moyen de savoir l'heure en fait. Parce que je sais plus ce que c'est pour check time. Parce que je peux check time quand je suis devant toi, et pas après. Bah c'est un... c'est ton flingue ça, le Hunter. Pas mal. je vais refund, je te jure, je vais refund le jeu. Qu'est-ce que t'as? Je vais refund ce putain de jeu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible, je peux pas, c'est trop normalement. Je viens de taper un zombie, mais genre, faut compter, faut que le chat compte, c'est trop marrant, faut compter. En vrai, faut compter, on va se marrer. Je vous jure, on va se marrer. T'enchaînes pas bien. C'est trop drôle en fait. Genre, il m'a retiré 70% de vie, j'ai failli crever. Et alors que je lui ai mis mais 1000 patates quoi. C'est un truc. Genre, au bout d'un moment, comment on fait? C'est quoi le secret en fait? C'est juste la faute à pas de chance. Faut que t'aies de la chance. Et que tu passes au travers des zombies. Ouais, sans déconner, je suis tout à fait ok pour continuer à jouer à Scum, mais j'ai vraiment vraiment envie de mettre un commentaire salé sur le jeu quoi. J'ai vraiment envie de foutre un sale truc avec, avec limite droit, des insultes. Hein. Y a genre vraiment, qui t'en empêche. Je veux bien continuer à jouer, mais il faut que je les insulte quelque part, il faut qu'ils le voient parce que c'est pas possible en fait. Faut qu'ils le voient. Ah ouais, non. L'avantage de cette histoire, c'est que. Oh non. Qu'est-ce non, qu'il y a? Non, vraiment, non, c'est bon. C'est bon, je vais mettre un commentaire. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la jambe cassée. Bon, alors. Scum. Scum. My leg is broken. On my heart too. And I just had a fight with a zombie during one full minute. T'as exagéré dans 1 hour. Before that, I had a fight with 2 military zombies and 2 robots. Before that, I bought the game and it was a mistake. Recommandez-vous ce jeu? Oui. Dear game. Et voilà. Le temps que je mette le. Ah, ouais, c'est bon. J'allais dire le temps que je fasse mon évaluation, ma jambe s'est réparée, mais finalement je reviens de mon retour Windows, qu'est-ce qui se passe? Y a un zombie qui me fonce dessus. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je suis dans le bâtiment, ton corps est toujours là. À l'abri, personne veut venir le piquer. Fort heureusement! D'expérience, c'est dans ce genre de moment où t'apprécies de plus en plus le jeu. En tout cas, ça fait des souvenirs. Hein. Ah, tu te souviens, Scum, comme c'était bien. C'était bien. Hein. Non mais le jeu est ouf. En vrai... Non. Putain. Quoi? Je veux plus en parler, putain. Ouais, je suis pas en train de passer le meilleur moment de ma vie à looter, mais... Moi je suis en train d'imaginer ce qui va se passer une fois qu'on aura fini. Là, tu récupères tes affaires, on a juste à partir. Thank you.
Pourquoi que tu soupires encore? C'est arrivé quelque chose? Il est pas très bavard. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis allongé pour dormir et il y a un zombie qui est venu me tuer. Moi, j'y vois une chance. Tu pourras peut-être, regarde, atterrir plus près que ce qui était prévu à la base. C'est parti. Je tente ma chance. Oh tiens, je suis dans le... Je suis dans l'Himalaya. C'est un peu plus loin. Ah, mais c'est parce qu'il y a des robots aussi ici! Putain, c'est quelque chose quand même. C'est complexe, hein. Scum, en tout cas, c'est. C'est difficile. C'est pas fait pour les losers. Ça, c'est sûr. Je ne le recommanderais pas à ma grand-mère. Elle risque de ne pas s'amuser. Ta grand-mère, ce gros loser! Non, franchement, les gens normaux ne devraient pas toucher de près ou de loin à à cette chose. Un stade de merde! Franchement, vous faites pas chier avec ça, hein. Ah, potiron! Pourquoi il a pas pris secteur? Parce que ça allait me faire respawn là où je viens de mourir, donc ça ne sert à rien. Mais il tire de là où il est là? Enfin, B3, oui, ça pouvait me faire respawn en B3, bon, pff, en vrai, ça va. Je sais pas. On est quand même pas mal Ça là. te fait respawn en B3, c'est pas mal. Non, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que j'étais pas vraiment en B3, j'étais peut-être encore un peu en A3, j'en sais rien. Je préfère. Tu peux choisir le secteur. Je suis pas sûr de ça, hein. Je crois pas qu'on puisse choisir le secteur. C'est sur qui ça tire là? Ah Très merde, je vais à inquiétant là. l'ouest, je suis un fils de pute. Oh Mais quel c'est sur moi qui tire connard. ce gros con. Ouais, le problème c'est vraiment les robots, ils ont un peu trop d'aise à tirer sur toi quand ils te voient pas. Si, tu peux choisir le secteur. Vous vous moquez de moi ou pas? Non, ils se moquent de toi, et tu peux, mais quand t'as plein de points. Non, mais il y a trois trucs. Il y a un truc qui s'appelle abri qui coûte 25 et on peut pas le sélectionner, donc je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui coûte 15 où tu peux juste prendre secteur. Ah, apparemment tu pouvais. Non, mais si je peux, je me suicide, y a pas de souci. En vrai, je me suicide et je sélectionne B3. Ça me dérange pas. Fais-le, tu feras plaisir à tout le monde, ok? Suicide-toi. Ok. Anna Baker là. Ok, je le fais. Fais-le, fais-le. C'est moi qui ai fait circuler les photos dans la classe. Tue-toi, connard. Voici ta cassette, Lark. Ah bah putain, mais ouais, mais je savais pas, bordel. Donc tu pouvais depuis le début, mais t'as Oui. écouté personne, comme à ton d'habitude. Mais c'est pas que je les ai pas écoutés, c'est qu'ils ont pas été assez clairs. Tu vois, un mec. Oh putain, mais évidemment, je respawn bien au sud de B3, hein. Quelle bande de connards. Non, mais Ça tu va, vois, ça va. regarde, un mec dans le chat qui me dit. Ah non, ils vont me dire, oui, on te l'a dit. Oh, fais chier. Un mec dans le chat qui. C'est dans la merde dans laquelle il est. Oh, fichier. Non, mais s'il me dit, tu vas cliquer sur secteur, ensuite tu vas avoir une map où tu vas pouvoir choisir précisément ta case. J'aurais dit, mec, je te crois, tu m'as donné des détails, tu m'as dit, genre, je te crois. Ouais, bon, on te l'a dit, on te l'a dit. Putain. Par contre, moi je te le dis, je me meurs de cet endroit de merde. Genre, c'est infâme, il y a trop de robots.
T'es juste condamné à Écoutez-le, mourir. l'autre là, l'autre roussard. J'ai une jambe pétée. J'ai une jambe pétée parce que le robot m'a tué. M'a tiré dessus, du moins. Il n'arrête pas de me tirer dessus. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Je saigne. Je t'envoie l'URL pour mettre une review. Attends, attends, attends. Attends. Jambe cassée, ça va se réparer tout seul, jambe cassée, hein. Vous me l'avez dit, mais pas de la bonne manière. Au final, c'est vraiment entièrement votre faute. Même le fait que je sois mort au début avec les deux robots là, c'est votre faute. Je suis d'accord. Vous voyez. Je rajouterais même les merdasses. Imagine ton corps est plus là, Lul. Ouais. Non, 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 non. Attends, il me tape pas là. Aïe. Pardon. Je suis coincé. Le robot me tape à la suite. Gros porc, gros porc. Putain, on dirait la description voilà. De ce qui m'est arrivé. Je me bande. Entendu, faut que je me branle et après j'ai réfléchi. C'est le mec qui est trop stressé là. Faut que je me branle. Je suis trop stressé, faut que je me branle. Non mais genre, j'ai la jambe pétée, je peux tirer dessus par les robots. Je rampe dans une pièce sécurisée, je me retourne, il y a un gros lard de 300 kilos qui fait et qui commence à me taper quand je suis allongé. C'est un peu plus ou moins ce qui m'est arrivé. Hein. Ouais, sauf que moi j'en suis sorti quoi. Ouais, sauf que moi ils étaient deux et que j'étais coincé par une porte. Qu'est-ce que je te dise, putain. sur 5. C'est quand le jour? Eh, mais c'est ce que je me demandais tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit j'aimerais bien voir l'heure. Bon bah, on va s'allonger pour que ça passe plus vite. Même si c'est un peu dangereux de s'allonger ici. Allez, on se repose, on attend que l'un qu'il arrive. T'es où toi? Je suis à un tiers du B3, on va dire à peu près, en partant du sud. Pas mal. Même pas un tiers en vrai. Ah. Moins bien. Non mais par contre je m'amuse. Non il y a pas de voilà. Ah oui. Ça va. Attends, c'est long. C'est long mais je m'amuse. C'est l'essentiel. Je check time mais je vois pas l'heure. Normal, t'as pas de montre. Il est con lui. Attends, je crois que je viens de créer un bug dans le jeu. Non, c'est bon. Alors, je check time. Action, check time. T'as pas de montre, je t'ai dit, putain. Insiste. Et visiblement, j'ai pas de main non plus. Attends, mais... Ça dit check time, mais alors, on voit pas... Alors, j'ai une montre, mais j'ai pas de main. Comment... Non, mais je vais... Faut que j'enlève mon impair. Vous croyez que... Non, je... Les gens qui ont pas de bras, vous croyez qu'ils mettent une montre à leur cheville? Genre, hop, tu regardes comme c'est ça. C'est trop chiant de regarder l'heure du coup. C'est pas une moquerie, c'est une remarque pratique. Ni plus ni moins. Alors, check time. Ah! Oh non! Oh non! Tu penses qu'il est quelle heure? Dans la nuit là? Ouais. Vas-y, un truc horrible, genre 2 heures.
Une heure. Il est minuit 39. Quelle ambiance. Quelle ambiance, putain. Quelle ambiance, mesdames, messieurs. Quelle soirée. Ah putain, j'avais zappé, faut aussi que... Que je trouve, je sais pas, genre le Discord du serveur ou quoi, et que j'aille les insulter. En allemand. En allemand, bien sûr. Eh ben, on va bouffer une citrouille. Allez. Tu vas manger quoi, toi, ce soir? Alors, bah, j'ai à peine mangé aujourd'hui, du coup, il va falloir que ce soit... je pense que je vais me faire quelque chose d'assez incroyable. En quantité, après je sais pas si... j'ai envie d'une dose... d'une dose déraisonnable de pâte au lardon, là. Oh, hé, hey, je m'en suis fait hier, ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié de manger ça. Bon, ouais, franchement, beaucoup, là, avec des lardons et de la crème. Ouais, oh putain. C'est comment tu les fais, toi, tes pâtes au lardon? Ouais, non, classique, hein. Attends, crème. Avec quel type de pâte, parce que... Crème, moi, un peu de poivre et... Quel type de pâte? Parce que moi, c'est vraiment les... Enfin, les torsades, pour moi, c'est les meilleurs pour les pâtes au lardon. Les torsades, c'est... Bon, celles qui sont, tu vois, on dirait des vis. Des fusils, voilà, c'est dans des trucs. Putain, d'accord, parce que, tu sais, j'ai pas calculé, je voyais vraiment des vis. Hein, et je... Tu prends c'est pas, c'est pas mal. Tu coupes le bout, ça fait une torsade. Ouais, j'aime avec toutes les pattes, mais... Oh, celle... mais en fait, celles-là, elles accrochent les lardons. Oh ouais. Merde, je dégueule. Tu parles trop de bouffe, tu t'as fini par dégueuler. Ma citrouille. Tu mets un maximum de crème là. Tu mets de la crème fraîche là. Oh non, putain, bon, on bouffe, c'est parti. Non, mais c'est pas de la carbo, je vous ai juste dit des pâtes au lardon. Commencez pas à me casser les couilles avec vous. Oui, vos, oh, ça va, débats. ça va, je suis d'accord avec branle, toi, c'est bon. Je m'en branle de vous. Eh, je mets de la crème où je veux. Et avec un jaune d'œuf sans le blanc, c'est bon, c'est bon. Je mets de la crème où je veux et vous pourrez jamais rien en dire, putain. Et je peux vous dire qu'un jour j'ai mis de la crème plus un œuf. Vous allez faire quoi, putain? Personne va rien faire, mec, c'est délicieux, on en a rien à foutre de la recette originelle, on se régale, on se régale. Un jour j'ai pissé dans mes pâtes au lardon, vous allez faire quoi là? C'est reste de la carbo. J'ai chié sur mon steak, j'ai dit que c'était un tartare, et alors? Vous allez faire quoi? C'est bon là, oh, les puristes là. C'est bon, c'est... T'inquiète pas, ceux qui font chier comme ça, c'est encore leur daronne qui cuisine. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand ça arrive dans leur assiette, ils savent même pas s'il y a un œuf ou pas. Et... Ça ne savent rien du tout. C'est horrible. Qu'est-ce que je... Ah oh bah non, je suis dans une zone avec des robots, mais c'est pas la bonne. Ah oh bah non, du con. T'es en B3, en haut à gauche. Oups. Je suis en C3. Mais c'est pas l'endroit. Bah non, c'est une case plus bas. Rassure-moi, t'étais pas en train de remonter depuis tout à l'heure? Bah en fait, j'étais en B3. Bah non, en fait, je t'ai dit que j'étais en deux tiers de la case et que j'étais en bas de... J'étais en bas de C3, en fait. Donc en fait, j'étais bien. Ok. Il y a un truc que je voudrais tester. Je déconne, Prankhead. Je te le donne en mille, c'était une blague. Bah je... Putain. Tu m'as bien vu parce que j'étais vraiment en panique de ouf là. Là, pour le stress. En fait, quand je t'ai senti passer un autre sujet, je me suis dit, oh, il s'en fout, c'est chiant. C'est genre, je vais lui dire parce que... Bah ouais, je m'en foutais. Il m'avait perdu du temps. On n'a rien à foutre. Ça fait chier par moi. Un truc que je voulais toujours tester, parce que j'avais osé le faire, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est pas bon. Ouais. Pâte au curry. Je sais pas si ça existe, et si ça peut se faire, mais... Tu sais, pâte, crème fraîche. Je te le dis, c'est sûr que c'est bon. Je sais pas, ça existe pas, je crois. Et je me demande si ma meuf on a pas déjà fait un soir comme ça là. Pâte curry, ça me rappelle des trucs. Bah, parce que Eric Curry, je suis mode, évidemment. Ouais, pâte au curry. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Mais j'ai envie d'en faire à chaque fois parce que je me dis, ça se trouve, c'est trop bon. Mais je pense pas, que c'est. Non, je pense que c'est extraordinaire. Dégueu. Je pense vraiment que c'est extraordinaire. Vraiment. On parle entre chaque étoilé là. Non, mais tu me le dis comme ça, j'ai envie de le bouffer. Je sais pas encore avec quoi je voudrais le manger. Parce que écoute, là, d'instinct, je dirais du poulet, mais j'ai pas envie.
du coup. C'est le créateur de la semoule au lardon qui te le dit. Ça semble délicieux. La semoule au lardon, putain de merde. Et sans crème, hein. Sans crème. Oh oui, c'est important parce que ce serait sacrilège qu'il y ait de la crème. Ouais. On est des porcs, mais des porcs bien élevés. Ah, c'est jouer un pseudo là, Terracine. Bon. Ouais, ouais, ouais. Bah, autre chose. De toute façon, moi je te dis, je me casse de cet endroit de malheur là. Je me casse. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je me casse. T'as tout looté? Oh putain, bah voilà pourquoi je me casse, mec. Voilà pourquoi. T'as la réponse, mon gros tas de jambon là, je te le dis. Mon gros tas de jambon. Attends, elle est où l'entrée par laquelle on est arrivé là? Ah, c'est pas là, moi je suis de l'autre côté. Faut que t'ailles de l'autre côté. Plus haut. Ah bon? Déjà là, je te le dis, en fait, je vais rentrer dans le hangar. Pourquoi? Parce que je suis gourmand, je suis comme ça. Mais ouais, toi tu fais genre tu vas partir, mais je te connais, tu... Il va y avoir d'autres trucs là. Oh, y a du truc militaire. C'est des trucs militaires, ça, je reconnais. Poulet, pas de curry. Ouais, j'avoue. Faut pas se prendre la tête. Ouais, tu vois, justement, trop simple. J'allais te dire trop simple. Poulet, poulet curry, ok, bah super, basique. Moi, si je fais des pâtes au curry, je me dirais, ok, Damien, bah fais les choses en entier. Il y a des... autre chose que du poulet. Il y a des poissons au curry. Tu peux faire crevettes. Crevettes, ah, c'est oui. Sûr que ça marche. Ah oui, crevettes. Mais pas avec des pâtes. Je serais pas chaud pour des pâtes. Pâte aux crevettes. Pâte aux crevettes, ça me tente pas. Mais je suis pas du tout de mon côté là, je comprends rien. Un pavé de saumon avec des pâtes au curry. C'est ça que je suis en train de demander pour le saumon. Why toi. Not je sais Why pas. Not là, saumon, ça me disait bien avec du curry. Ouais. J'aurais te dire que ça peut se jouer. Ça me choque pas, ça me choque pas. Ah. Même si je suis un fervent défenseur du pavé de saumon avec son beurre blanc accompagné du riz, je me dis que là ça pourrait se tenter. Oh, avec son beurre blanc. Hein. Oh putain. Tu le mets comme ça avec ton beurre blanc là. Alors, je te le donne en mille, j'ai non seulement un silencieux sur mon M9, mais maintenant. Ah, comment ça s'active? J'ai une flashlight, mais. Ouais, t'as un lance-roquette, ouais. C'est bon. Okay. Comment je l'active? Turn on. Oh putain. Ouah, je suis un agent de la CIA. J'espère qu'il n'y a pas de pile parce que je vais tout dépenser sinon. Burk, saumon, ouais. Curry. Mais vous êtes pas ouvert d'esprit. Non, mais faut voir plus loin que le bout de votre nez quand on vous dit quelque chose comme ça. Truite mayo riz, ouais par contre. Ouais là par contre, toi par contre, c'est pas ouvert d'esprit pour ce genre de choses. ça me tue les gens qui font des plats et ils mettent juste de la mayo là. Qu'est-ce que vous voulez putain? C'est pas parce que vous mélangez tout et que vous rajoutez de la mayo que c'est bon hein. Tu mets deux aliments comme ça puis tu mets plein de mayo là. Non, bah non, c'est en vrai non. Mais c'est un taré, c'est un taré. Faut que je trouve le raccourci pour éteindre ma torche. Je peux pas faire turn on, turn off tout le temps, ça va me faire chier. Bla bla bla. Comment on fait? Quelqu'un a le raccourci pour éteindre ma torche et l'allumer? F. Merci, quelqu'un m'a dit shift E. Ça ressemblait à un prank, c'était vraiment ça. J'étais close. Ah bah tiens, si t'as un... Bah t'en as un. T'avais récupéré un M9. Un M9. Peut-être. Bah bref. Je te passerai une torche. Peut-être. Dis pas merci bouffon. J'ai une question. T'as toujours une question? Putain, combien te défonce? J'ai une question. Oui. Premièrement, pourquoi il m'a fait mal à travers le mur? Pour commencer.
Et ensuite, où est passé mon fusil Hunter? Ah! La question n'est pas, la question n'est pas compliquée. Putain! Ah, oh il était, merde! Il était pas dans une caisse! Oh, le quiproquo! Incroyable! C'est une histoire de fou! Oh putain! Ta gueule. Oh. Je pense que j'ai ouvert une caisse qui devait être pas loin de toi, que ton arme devait être au sol, mais que ça l'a affiché dans l'ouverture. Parce que, en plus, je te l'ai dit, ah bah j'en ai un comme toi! Oh non, le délire! Ouais. Oh non, mais ça c'est. Si tu continues comme ça, tu le revois pas. Putain, c'est un truc de fou. Continue comme ça et ton fusil, je le drop au milieu de l'allée. Ouais, t'as gagné. Allez hop. Ouais, t'es en week-end avec tes copains, jure, le truc de fou, il a mon hunter. Genre, incroyable. Ah non, mais ouais, des fois, il y a des trucs quand même. T'es un gros con. C'est. Quand même quelque chose, hein. Attends, j'ai trouvé visiblement Fireworks Biggs. En vrai, ça me tentait de ouf. Mais j'ai l'impression de pas pouvoir l'utiliser. Parce que use fonctionne pas. Ou alors c'est parce qu'il est en mauvais état. Quelqu'un sait comment je peux l'utiliser? Oh putain, ce truc, j'ai eu peur. Bon, tu cherches ton truc. Tiens, bouffon. Merci. Bah, tu sais quoi, j'avais peut-être des munitions pour toi. Bah, je suis pas sûr de les avoir en fait. Oh non. Non. J'en ai besoin. Pose-le par terre et allume-le. Bah. Si je le drop au sol, ça va juste drop au sol. Wouah. Ça donne pas trop envie de l'allumer. Putain, énorme. De ouf. Attends. Ah, mais j'avais des allumettes avant. J'ai des allumettes dans la main. Ça ne peut que bien tourner. Comment je fais pour... Oh. Non, ça récupère. Remets-le. Il faut les poser à terre et les allumer. Remets-le là. Putain, tu casses les couilles. Voilà. Il faut les poser à terre et les allumer avec un briquet ou des allumettes. Réessaye maintenant, tu vas voir. J'ai des allumettes dans la main. Use. Oh putain. Oh. 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 Oh, c'est... Oh. C'est de toute c'est beauté. Wouah. C'est quoi vu la première personne. Oh. C'est un strobo. C'est ouf. C'est trop ouf. Un peu de bonheur. Ça valait le coup. Un peu de bonheur dans ce jeu de brut. Wouah. Aïe. Je me suis pris une balle. Aïe. Non, je vais crever. Mais qu'est-ce que t'as à foutre là-bas toi? Mais parce que je me suis éloigné pour regarder feu d'artifice. Attire le robot, pitié. S'il vient vers moi, je suis mort. S'il vient vers moi, je suis mort. Attire-le pour qu'il te course. Non, pas maintenant. J'ai besoin de me casser, hein, c'est pour ça. J'ai besoin de me casser. S'il vient vers moi, je crève. Faut que tu lui tires dessus ou quoi? J'ai pas de balle. Je vais mourir, je suis mort. Je suis à côté de lui, mais il me voit pas. Tire dessus. Je suis à côté de lui, mais il me voit pas. J'ai loupé mon feu d'artifice. J'ai gâché mon feu d'artifice. Et je peux pas faire Hatchelter. Comment t'as fait pour apparaître tout près? Faut que t'attendes. Combien de temps pour être sur Hatchelter? Faut que j'attende. Moi le... Non, Shelter non, abri non. Le deuxième oui. Ah oui, le deuxième je l'ai. Et je peux sélectionner du coup B3? Oui. C'est marrant, je trouve ça fou que on fait un feu d'artifice et comme par hasard un de nous deux meurt. Genre c'est vraiment un jeu de merde. Genre. Ah, le feu d'artifice. C'est vrai, maintenant tu n'es pas mort direct, l'un pourrait. Ouais, attends, je pourrais peut-être. Pas mort, l'un peut te réanimer. Je peux te réanimer. Ah non, mais je voyais ton pseudo avant, là je le vois plus. C'est quoi, je suis juste à côté en vrai, c'est pas très grave. Mais putain, comment j'ai le seum parce que tu pouvais me réa. Je pense, parce qu'à un moment je voyais ton pseudo. Malgré le fait qu'il te tirait dessus, je voyais encore ton pseudo. Ah, si seulement tu me l'avais précisé. Ouais, mais je regardais les feux d'artifice, ils étaient jolis. Oh, j'ai trop le seum d'avoir gâché le feu d'artifice là. Bon, on en aura bien profité. Bah, j'ai vu trois trucs partir.
Oh non, y'a des zombies, y'a des zombies, y'a des zombies. Comment je fais pour tous les esquiver? Bah je peux pas, du coup. Surtout que ces zombies là, ils sont bien chiants, j'ai l'impression que peu importe ce que tu fais, ils vont te courir après. Ok, bah je suis déjà au camp. Ah ouais? Faut que je fasse tout le tour. Ouais ouais, c'est j'étais vraiment pas loin. Ah bah je te vois. Salut man. T'es pas du meilleur côté. Je sais. Alors il faut que je trouve une brèche pas loin d'ici. Je te conseillerais de faire le tour par là, moi. Là. Il y a un trou ici? Viens, viens avec moi. Ce sera plus safe. Il y a un trou à côté de la grange. Attends, j'ai plus d'endurance. Ah, quelqu'un m'a envoyé des touches que tu dois. T'as l'harmonica ou pas? Bah, j'ai les touches. Moi, j'avais regardé les touches dans le menu. Ah, oh, bordel. Tu es là ou pas? Parce que là, je peux te donner des touches pour faire le thème one kill. P-I-I-T-Y-I-T-Y-I-I-Y-P-O. Alors, envoie-les-moi. Comment je fais ça? Sur Steam? Ouais. Alors. Il y a des espaces qui ont été mis, donc je suppose qu'ils ont une utilité. C'est monsieur Vince qui a donné ça. C'est évidemment pas moi qui ai composé. Hein. Alors. Mais il y avait un trou là où t'étais? Ah oui. Ah mais j'ai... Attends. Tu vas me dire que j'étais juste à côté d'un trou? J'aurais pu fuir! J'attends que t'aies récupéré ton corps. Bah, je sais pas où il est. J'étais juste à côté d'un putain de trou. Et... Attends. Ouais, voilà, c'est pour vous chauffer un peu. C'est pour vous chauffer un peu. Qu'est-ce que... T'as un menu de chargement toi aussi? C'est une blague. Qu'est-ce que... C'est une blague en vrai. Franchement c'est une blague. Connexion perdue. Moi aussi? Attends. Continue. C'est peut-être normal. C'est peut-être une blague aussi. Je vais pas par contre ne plus avoir mon stuff. Comment c'est possible d'avoir si peu de chance? Attends. Parce qu'il est pile poil minuit. Ça ressemble à... Peut-être que si on n'avait pas mute le chat, on l'aurait vu. Le seul truc qui me fait peur, c'est que j'avais pas pris tout mon stuff. Stuff reboot? Non mais pas à zéro. Attends, j'ai le TF4. Pour l'instant je peux pas le rejoindre. Ouais. Je relance mon jeu. Parce que ça m'étonnerait que le serveur est save vraiment à la seconde où je récupérais les trucs. Vraiment il me restait quoi? 3 trucs à récupérer. Au pire des cas, c'était un peu du cosmétique. Ouais. Mais si par contre ils me font le coup... De genre une minute avant.
Je suis revenu sur le serve. T'as tout? Mon stuff, j'ai. Je crois, ouais. Non, ça m'inquiète. Là, j'entends des grillons. Je vais bientôt avoir le verdict. Vite, mon jeu charge, parce que j'entends un robot arriver, en fait. Parce que si on me tire dessus pour mon chargement, ça va pas être super, là. Allez. Putain, je t'entends faire le harmonica en plus. Mais... le jeu est peu... C'est bon, j'ai tout. J'ai tout. Quelle aventure, putain! Alors? Bon, allons-y! Nous disions. C'est parti. Putain! Alors, attends, je refais, attends. Ah, je reconnais! C'est pas exactement les bonnes notes. C'est pas tout à fait ça. Mais on approche. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un truc. Il y a un truc. Hein. C'est intéressant. Pourtant, mais quand tu regardes dans les instruments, il y a beaucoup de notes. Donc je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Parce que regardez. Attendez, hé, en vrai. Là. Vous pouvez pas me. Il n'y a pas mieux. Do, Do dièse, Ré dièse, Ré, Mi, Fa, tout. Monter d'un octave, descendre d'une octave, écoutez, d'ailleurs, une meilleure version. Franchement. Par terre, je t'ai mis la flashlight pour M9. Oh, si merde. Tu m'étonnes. Putain, les feux d'artifice, j'aurais trop aimé. Attends. Restart serveur égale, tu sais très bien. Alors, par contre, ça a reset les options ou quoi? Je veux toujours pas revoir le chat, moi. Ah oui, bah oui, du coup. T'es. Tu vas la refaire là, la chanson? Non. Flemme. Tu sais que tout le monde t'entend, hein. Flemme. Mec, si tu retrouves des fireworks. Je vais essayer de retourner dans les. Les hangars. Après, moi je l'ai trouvé ici, hein. Putain, y'a du monde, hein. Oh là. Fais demi-tour. Oh, cette fenêtre. Oh bah va pas mourir. En plus qu'est-ce que je fous là? Ce serait con. C'est pas un endroit pour moi, bordel. Ce serait trop con de mourir maintenant, non? C'est bon, il me lâche l'affaire. Par contre, j'aurais bien meurs aimé pas. Avoir. Meurs pas, j'ai trouvé un truc. Trouvé quoi? C'est pas aussi bien qu'un feu d'artifice, c'est sûr, c'est une connerie. Nanana. Tu vois, tu dis rien. Tu vas te ramener encore avec un cosmétique à la con. C'est fantastique.
trouver le pyro barbare. C'est incroyable. C'est pas, moi hein. La cible. Je suis bien sur qui là. Oh, j'ai trouvé une boussole avancée. Maintenant j'ai nord-ouest, sud-ouest, sud-est. Bâtard. Oh bâtard. Je m'en fous, c'est quoi, je veux juste les feux d'artifice. Je veux. T'as des allumettes? Attends, mais t'es parti où en fait? Je me suis pris un headshot. En fait, il s'est retourné, il m'a mis un headshot. Mais putain, mais j'avais des feux d'artifice. Je vais retourner au secteur B3, ça pose aucun souci, Link. J'ai que bordé de nouilles. J'avais des feux d'artifice. Attends, mais j'étais pas mort encore une fois, non? Peut-être pas, hein. Mais moi, j'ai pas eu le temps de voir ton pseudo là pour le coup. Je crois que je voyais. C'est bon, je suis à droite du camp. C'est. Ça, je me suis pris une belle balle, hein. J'ai ouvert la porte. Il s'est retourné Paf à 180 degrés, une balle. Attendez, parce que ouais, effectivement, il y a un truc pour crocheter, il y a une porte qui est verrouillée. Ah, les épingles à nourrice, peut-être qu'elles servent à ça. Outil de crochetage avancé, permet d'ouvrir une serrure dont vous avez perdu la clé. Ouais. On va essayer. Bon, vous les zombies, vous commencez à me péter les burnes. C'est infernal d'être pété de viande comme ça là. Comment ça marche le truc pour crocheter là? Foutre à poil, j'en ai rien à foutre. J'ai même pas besoin de tout ça. Le chat, va falloir que vous m'aidiez pour crocheter la serrure. Je comprends pas comment ça marche. Merde, il est où? Ah. Bon. Toi, tu vas me faire chier aussi, la vieille? Aïe. Aïe. Je me branche les barres, j'en ai rien à foutre. Bon, j'espère que ça va pas être trop long. Si t'es courageux, tu sais qu'il y a plein d'autres trucs à looter, hein. Il y a re tous les bâtiments. Mais ce serait trop. Non, ce serait trop. Bon, moi si j'avais mangé, je le ferais. Mais j'ai trop faim. Mais j'aimerais ouvrir cette salle quand même. Et faire un feu d'artifice. Alors j'arrive, on fait feu d'artifice. Je la refais. J'arrive, on fait feu d'artifice. On profite d'une belle vue. On s'éloigne un peu pour le faire tranquille. Et ensuite on pourra partir. Ah ouais, ouais, ouais. On va se le refaire. Sans toutes ces mésaventures. Cette fois c'est toi qui l'allumeras. Putain, mais c'est de la merde! Mais monsieur, mais dans la vraie vie, vous foutez trois patates, vous êtes pas un point de côté. Non, mais un gros gaillard comme vous là. J'ai un truc pour crocheter. Non mais c'est pas possible. J'en ai marre Link, c'est le pire jeu du monde. Oui. C'est bon, il y a combien de zombies? Ils sont tous après moi. C'est quoi la solution pour s'en sortir? C'est quoi la solution pour s'en sortir? Quand t'as deux putains de zombies qui te poursuivent, que tu peux pas enchaîner les patates et que t'as des points de côté. C'est quoi la solution dans le jeu? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah, j'ai 39% de vie, c'est de la merde. C'est de la merde, leur jeu c'est un jeu débile. Je suis
D'accord. T'es coincé dans cette putain de situation où t'es poursuivi par deux putains de zombies, tu peux pas les taper parce qu'ils t'enchaînent deux coups, mais t'as pas d'endurance pour suivre. Donc, t'es dans la merde! Nique ta mère! Fils de pute! Oh, je vais apparaître encore plus près. J'ai pris un concombre. C'est nord-ouest. C'est vraiment pensé avec la bite le jeu. Hein. Oui. C'est aucun effort. Putain. Oui, vas-y. Viens, tape-moi encore. Putain, y'a rien là-dedans. Un autre? Bah oui, un autre. Bah oui, parce que ce serait pas marrant si y'en avait qu'un qui me tapait. C'est quoi, le jour se lève? Attends, on va même pas tirer un feu d'artifice de nuit, quoi. Ah, un autre zombie, un troisième. Comme par hasard. Allez. À quel moment ils se sont dit, je pense, ça va être trop bien d'un point de vue joueur, si on met vraiment des zombies tout le long. On en met tous les 20 mètres. Quand on a joué à Deadside, t'as dit ce serait bien s'il y avait des zombies. Mais les zombies à la DZ, les zombies où tu cours, c'est bon, ils lâchent l'affaire. Il fait quoi lui? Quoi, mais il peut traverser les murs? Ça fait combien de patates que je lui donne là? Traverse les murs. Les zombies? M'étonne pas, c'est bien fait comme jeu. Non, les robots traversent les murs. Genre les grillages. Oh! Putain. Non! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Il a changé de pattern. Et alors? Bah tu es. C'est B3, c'est ça? On va la vivre, notre putain de belle histoire. Putain, c'est une sacrée histoire. Quel plaisir. Je voudrais juste vraiment, déjà de base, petit 1. Soit vous mettez très peu de zombies, soit vous faites en sorte que les zombies soient esquivables avec l'endurance. Ou morts très facilement à main nue. Petit 2, donnez-nous un point faible sur les robots. Qu'on puisse les mettre hors circuit dès l'instant qu'on a une arme. Je dis même pas de les tuer, je dis juste de pouvoir les shutdown temporairement. Avec une arme à feu. Ils sont vraiment... Oh, on est au même endroit, quoi. C'est-à-dire? On serait peut-être au même endroit. Oh, tu sais. Je vois pas ton pseudo, après. Moi non plus. Je vais vers nord-ouest pour aller sur B3, là. Ouais, moi aussi. Ok, moi je suis près de la... Je traverse la route jaune, là. Ah, je suis un peu derrière. Ouais, je peux t'attendre, ouais. Je veux juste faire un feu d'artifice. Moi aussi. Ça fait de mal à personne, un feu d'artifice. C'est pour rigoler. Un feu d'artifice, c'est rien. C'est rien. C'est mignon. On peut le faire.
Genre on demande rien dans le jeu là, on n'a pas dit on veut prendre d'assaut une base et tirer partout et y aller en hélicoptère, on veut juste tirer un feu d'artifice, on l'a. Ah, la base de tes morts là, elle est là hein. Bouge pas. C'est bon, moi j'arrête de me faire bait par l'appât du gain, je prends ce que j'ai à prendre, donc mon inventaire, et je me barre. C'est pas de looter encore une fois là. Normal, je me bats avec deux zombies à la fois. Ah, moi j'en ai tué trois. Oh, il a des cuissots, mon perso là. Vache, c'est du bon jambon de Bayonne ça. Le bâtiment est là. Non, ça sent zombie. Oh non, mais ils en ont vraiment semé. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Imagine une base militaire comme sur Days où. Oh bah, il n'y a pas de système de robot chiant. Juste, t'y vas et ta seule crainte, c'est qu'il y a un autre joueur adverse. Il doit y avoir des serveurs custom comme ça. Leur système de robot là, comment il est chiant. Tu mets moitié moins de zombies et... des robots qui te... genre qui te one-shot pas quoi. Genre peut-être qui te blessent bien. Je te dis juste, regarde là, imagine le planeur, juste la possibilité de shutdown les robots, juste ça. Tu leur mets un point faible et tu fais que si tu tires sur ce truc là pile poil, tu prends le risque de les shooter, tu vois, mais tu le fais et si ça marche, tu t'en shut down. Ouais. Trop compliqué pour des bousous de réfléchir à un système mieux que ce qu'ils ont fait actuellement, évidemment. Je veux juste faire un feu d'artifice. Bon, je vais récupérer mon putain de stuff. Tout ce que je voulais, moi, c'était un feu d'artifice. C'est toi ça? De quoi? Plein de trucs par terre, je sais pas. Bon, tu sais. Attends, j'ai entendu quelque chose courir. Et je vois pas ton pseudo. Non, moi je suis pas là. Je t'explique. Soit c'est un zombie qui court, soit il y a un autre joueur juste à côté. Ah. Je pense que ça c'est tes affaires. Ouais. Et ça fait pas d'être un zombie vu que ça faisait pas de bruit. Ça faisait juste des bruits de pas qui courent. Attends, mais la technique de rush... quand il y a des robots, en vrai, elle est beaucoup trop risquée, puisque quand j'ai fait ça en courant, bah je suis juste... Il vise bien, hein. Par le... Merde, j'avais ah pas... ouais. Il vise bien, hein, franchement. Ouais. Ok, j'ai mes affaires. Je suis prêt à partir. Je suis caché, ce gros con va pas me trouver. Sinon, ça veut dire que je vais mal fait. Allez, c'est confirmé. Je quitte la merde.
Quoi, t'es Il voit mort? à travers les portes. Non, 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 mais juste, il voit à travers les portes, il en a rien à foutre. Porte, pas porte. Ouais. J'ai mes allumettes, j'en ai 20. On va juste tirer ce putain de feu d'artifice là. C'est vrai que si on avait pris un bunker plus tôt, bah on aurait eu à passer deux robots et après on aurait été tranquille quoi. Non mais là il n'y a pas de base souterraine. Ouais, je sais, mais si on avait pris une base souterraine justement, bah. Ah oui, bah c'est ça le truc, c'est qu'une fois que t'es sous terre, c'est grave tranquille. T'es tranquille en fait. Ouais. Ta seule crainte c'est les autres joueurs. Dommage. Oui, par exemple. Là, c'est bien. Encore une fois, je veux pas t'inquiéter, mais j'ai vraiment entendu quelque chose courir. C'était pas un zombie, je pense. Ok, je vois un joueur. Ah. Ok. Il dit friendly. Mais en même temps, il est pas loin de ton cadavre. Qu'est-ce que je fais? T'as des balles? Oui. Puissantes? 5-9. Ah, un 9 dans la tête, ça tue, non? Je vais te laisser tranquille. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un mec vraiment sympa. Il y a une arme? Non, il a pas d'arme. Probablement un fan de feu d'artifice. Si tu restes ici, dans 5 minutes, tu pourras voir un super feu d'artifice. Il est. Reste là et. Non, non, c'est pas juste ici. T'inquiète, reste dans les environs. Ça va péter tout à l'heure. À tout à l'heure. Je crois qu'il croit que c'est une métaphore, il a trop peur. T'entends quoi par feu d'artifice? Ça va péter, tu vas voir. Vraiment, Je suis j'aurais pu presque le arrivé. tuer, hein. Mais je suis un mec vraiment chic. Je suis un chic type. Un mec en or. Auto-diagnostiqué chic type. Donc je voulais pas le tuer. Faut que je pisse. Un dernier dodo et je serai là. Ah, je vois ton pseudo, c'est déjà pas mal. Je vais mourir d'ici là. Quelque chose va Attends, arriver. je peux savoir pourquoi tu débarques à poil? Quoi? Attends. Mais. Oh, vas-y, viens là, viens là, viens là, tu vas voir. Mais il a débarqué la bite à l'air devant moi. Moi Il a enlevé toutes ses fringues et j'arrive il a à poil, débarqué mais la c'est bite à l'air devant pour moi. looter. Hein? J'arrive à poil, mais c'est pour looter. Toi? Oui, vas-y. Non, mais lui, c'est pas en caleçon, hein. Vraiment, il est arrivé tout nu. Il s'est dessapé entièrement. Tu veux me montrer ta bite encore? Ok, vas-y. Qui me voit? Mais tu vas arrêter? Mais arrête de montrer ton cul, mais va t'habiller! Oui, pardon. Ils sont malades ou quoi? Ah, j'espère que t'as encore envie là. Oh Ouais, là, ces impacts, ils viennent jusque là. mais ils sont malades. Je veux dire, j'ai rien vu. Mais t'as mis un caleçon là? Mais t'es vraiment un. Bordel de merde, mais tu. Mec, il y a un détraqué qui. Il est juste derrière toi, le mec, hein. Ouais, j'arrive. T'as looté, c'est bon? Ouais, faut que je sorte.
Ah bah enfin! En fait, tu sais quoi? Eh, hey, remets-toi comme tout à l'heure là. J'ai un pote qui arrive là. Remets-toi comme tout à l'heure et vas-y, accueille-le comme ça. Oui, oui, vas-y. Remets-toi comme tout à l'heure. Vas-y, c'est ça, ouais. Il arrive, il est là, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce que je viens de voir débarquer. C'est qui? C'est Laurent Zarbi qui est avec son truc là. On va faire un feu d'artifice tout, toi, reste loin. Ouais, je... Ouais, ouais, mais nous suis pas à poil. Ouais, si. Cours. Faut qu'on ait un point de vue bien dégagé. Ouais, ouais, ouais. Un truc en haut d'une colline, comme ça, on le met un peu en bas. Comme ça, on profite du spectacle. Je te donnerai les allumettes, c'est toi qui l'allumeras. Oh. Voilà, ouais, si on se met en... C'est pas mal ici. Ouais. Pas trop attends, mal hein. Attends, un truc. Non, c'est des zombies. Enfin, je sais pas si c'est un animal ou des zombies. J'ai peur que ce soit encore des gens à poil. Ce sera pas mal ici quand même. T'en as 10 qui... Bah, ça... C'est pas mal là. Si on fait là, là. Genre là. Ouais, tu le poses ici. Là, c'est dégagé. Attends, tiens, je te largue les allumettes. Attends, okay. Là, pas maintenant. Et comment je fais mettre... Quoi? Comment je fais pour utiliser les allumettes? Tu les mets dans ta main et je sais pas, je crois que t'appuies sur F ou un truc comme ça. Moi, je vais me mettre en hauteur. Dis-moi quand t'es prêt. Y a le tout nu, hein. C'est pas vrai que t'es revenu, sac à merde. Ok, regarde, mais habillé. Ok. C'est bon, vas-y, il est habillé. Il veut juste regarder. Bon ok. Tu peux y aller. Alors attends, c'est pas F1. Moi j'appuie sur ma touche 1 pour profiter. Appuie sur ta touche moins pour profiter du spectacle. Enfin, c'était un pavé numérique. Putain, mais c'est quoi la touche? Quand t'as des allumettes dans la main, tu fais F ou E ou. Un truc comme ça. Ça va pas tarder, hein. Il est en train d'apprendre à se servir de l'allumette. Bah je cherche dans les touches là. Maintiens F. Ça y est. Oh. Wow. Wow. Wow, le spectacle. Ça c'est du spectacle hein. Oh putain, c'est trop trop cool. Wouah. Regardez-moi ça. Attends, la mafia. Je peux jouer dans mon écran aussi. Il parlait trop. Tu l'as flingué. Il parlait vraiment trop. C'est bon aussi, il veut jouer de mon harmonica. Observe le spectacle et profite. Putain. Oh la magnifique fin de live là. La vache. Incroyable. Oh putain, c'est formidable. Sans l'autre con là. Oh. Qu'est-ce qu'on est bien, putain. Fais entrer pour la première personne au cas où. Hein. Oh putain. Oh, c'est exceptionnel. Oh, quel spectacle. Il y a longtemps le feu d'artifice, hein. En plus, ça se trouve, il y a beaucoup de... Il a fait une... C'était la fin.
Bien timé. Bien timé. Nice. Pas mal. Oh, wow, ça fait du bien hein, avec l'aube là. Pff. On l'a bien mérité. Il avait quoi sur lui? Ouais, vas-y. Excusez. Pas grand chose. Hein. Oh. Une lance okay. Tout au plus. Une chaka. Non, parce qu'il profitait pas du spectacle alors à un moment donné, j'étais obligé quoi. Bon, je veux pas bah, le piquer voilà. Son cadavre avec la. Ah. Et tu nous as bien fait chier hein. Ah. Salaud. Oh putain. Attends mais la vache ça l'éjecte loin. On peut pas le découper là en petits morceaux de merde. Ouais voilà. Oh. Oh non. Non pas ça. Je crois que notre feu d'artifice a attiré foule. Ils sont tous venus pour la fête nationale. Bon, oh, c'est un jeu de merde. C'est toujours pareil. Il se passe ouais. Toujours un truc de toute façon. Il y a toujours une merde. Bon. Ouais, toujours quelque chose. C'est pas grave. Au moins c'est. Hey. On a eu nos feux d'artifice. Bon. On n'aura pas de raison de relancer parce que nos persos sont plus vivants. Voilà. Voilà. Hop. Au cas où on avait encore un peu faim. Oh, ouais, non. Voilà. Plus faim. Réglé. Putain. Eh bien. On devait avoir tout ce qu'il y a. Sur Rust, au moins, ça se passe un peu mieux quand même. Une bonne chose de faite. Putain. Allez. Et écoutez. On vous laisse, pas plus de souffrance. Voilà. Vous avez eu votre voilà. Dose aussi, je pense. Mercredi, live sur un jeu dans l'espace. C'est vrai. À mercredi, dans l'espace. Pas sûr. Et peut-être que... à lundi pour un live, on ne sait pas encore. Peut-être à lundi. Peut-être bien. Peut-être. Allez, salut. Ciao.